On commence dans quelques minutes. Bonjour à tous. Je vais vous partager mon écran. Bonjour. Merci. Bon, aujourd'hui, introduction. Non, ça, c'est pas le bon. C'est cours numéro 6. Chaîne H2, collection, classe abstraite. Il manque interface dans le titre. Hein? Il y a les interfaces qui sont ouvertes également aujourd'hui. Ça va être un cours. Écoutez, c'est un cours comme un autre. Là. Je pense que c'est un cours intéressant, mais c'est conditionnel à ce que vous aimiez la programmation. Chaîne H double, c'est donc la suite de ce qu'on a vu la semaine dernière, qui était le chaîne H simple. Aujourd'hui, donc, chaîne H double. Collection. Qui est ce qui clôt un peu le dossier concernant les piles, fils et listes, puis chaîne H, puis tout ça, ça se clôt avec la collection, les collections, pardon. Et de moment où on va tout rapper ça ensemble, puis on va dire, OK, c'est bon, on a vu tout ça. Maintenant, c'est quoi dans le vrai monde qu'on utilise? Bien, dans le vrai monde, c'est les collections. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas comprendre les bases, mais la collection, c'est vraiment c'est les objets qui sont déjà existants en langage Java qui remplissent les fonctionnalités qu'on va avoir appris au niveau des piles, fils, listes, implantation statique et parchainage. On termine avec classe abstraite et interface, qui est un sujet que, personnellement que je trouve qui est très intéressant parce que ça nous amène toujours de plus en plus dans l'orienté objet, la pensée, la réflexion, la conception orienté objet. Fait classe abstraite et interface là, qui viennent un peu compléter tout ce qu'on, l'héritage, quand on parle d'héritage, quand on parle de ça, puis on arrive vraiment avec des sujets qui. C'est sûr que dans le cadre du cours ici, on ne pousse pas très loin la réflexion orientée objet. On voit un peu les bases, on commence à réfléchir un peu. Mais c'est sûr que quand on parle classe abstraite et interface, les choses qui peuvent être faites autour de ça, au niveau de conception de logiciel avancé, c'est extrêmement intéressant. C'est un peu le plan de la séance. Quand c'est chaîne H double, on va quand même avancer, sans dire qu'on ne va pas avancer trop rapidement là-dessus. Surtout, n'hésitez pas, c'est la dernière fois qu'on parle de chaînage. N'hésitez pas à m'arrêter là, s'il y a des trucs qui ne sont pas clairs. Mais chaîne H double, est ici. C'est ça, c'est juste que la description, généralement, va un petit peu plus vite que chaîne H simple parce qu'on a déjà vu, on connaît déjà chaînage. Mais tout de même, n'hésitez pas à m'arrêter. Ici, il y a le mot itérateur, j'ai oublié de changer. Ce n'est pas le bon mot que je vais utiliser, mais il y a le nœud courant, là, le nœud mobile, si on veut, qui est un autre élément que je vais ajouter dans le chaînage que je vais vous montrer à ce moment-là. On va implémenter la pile, la file ensemble. La liste, je vous la laisse en exercice. On a ensuite, c'est ça les collections, classe abstraite, interface, on va y arriver. Bon,
Si on se remet un peu dans le bain, chaîne H5, je pense que je vais sortir le code chaîne H5 juste pour se remettre dans le bain un peu. Où est-ce que je l'ai encore? Juste au premier coup d'œil, vous voyez mon écran, ça serait quoi ça ici? C'est l'implémentation statique ou par chaînage? Est-ce que quelqu'un peut me répondre là-dessus? Par chaînage? Statique, excusez-moi. Statique, qu'est-ce qui te faisait ça? Non, j'ai rien dit. Il y a un objet dans paramètres. Pardon? En fait, je ne sais pas. Désolé. OK. Mais là, ça, là, au premier coup d'œil, ça devrait tout de suite cliquer. Là, parce que ça fait quand même 2 semaines qu'on en parle. Regardez, au premier coup d'œil, vous devriez le voir. Là. Il y a 2 indices. Là, un qui n'est pas là, puis un qui est là. Qui devrait tout de suite vous clarifier qu'est-ce qui est quoi. Parce que si cette question-là n'est pas claire aujourd'hui, vous êtes en retard sur la matière. Tu sais, je veux juste établir les choses, parce que vous n'avez pas compris ce dont je parle depuis 2 semaines. On a le temps de réfléchir. Vous pouvez poser des questions, mais je veux qu'on arrive avec une réponse là-dessus, à savoir est-ce que c'est chaînage ou si c'est une implémentation statique de la liste. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Il suffit de discuter, poser des questions. On est un peu en mode de rappel, là. Je viens d'improviser ça, là, mais c'est un peu un exercice de rappel. Dans le chat? Personne dans le chat? Vous allez voir vos notes de cours. OK. Est-ce que quelqu'un veut s'essayer? Mais ici, je suis dans les notes de cours. Je suis en train de regarder. La chaînage ne définit pas. Attends. 2 petites secondes. Note de cours, exemple. Ouais, c'est ça. En fait, moi, je cherchais le nœud dans qu'est-ce qu'on est en train de regarder. C'est... Okay. Est-ce qu'on a un nœud? Ben, l'index, possiblement. C'est ça que je suis en train de regarder. Décalage vers le haut de l'index. Ben, théoriquement, ça devrait être ça le nœud. À moins que j'aie mal compris. On a une discussion aussi qui prend place. Un nœud, c'est quoi? Qu'est-ce que ça faisait le travail comme nœud, le travail du nœud dans notre... Ben, c'était le point d'accès d'une liste, finalement. Parce qu'à partir de ce point-là, tu pouvais bouger, exact. Accéder à ta liste à partir de là. Puis, comment est-ce qu'on l'avait implémenté, le nœud? Est-ce que tu as des souvenirs par rapport à ça? Comment est-ce qu'on l'avait implémenté?
Il va falloir que j'aille regarder mon code. Vas-y, vas-y, on a tout le temps qu'on veut. À première vue, moi je dirais que c'est vraiment plus un statique parce que c'est vraiment une table que tu grandis au lieu que ce soit un index que tu augmentes via une liste. Je vois pas vraiment la scie d'accélère qui passe par l'index de comment je le vois en ce moment. Je vois juste un tableau qu'on augmente si on a besoin. Okay. La présence du tableau nous dit tout de suite que c'est statique. Okay, le tableau, c'est suffisant. Dès que vous voyez le tableau, c'est suffisant pour dire « Ah, c'est bon, c'est statique. » Parce que dynamique, il n'y a pas de tableau. Comme tu l'as dit, c'est les nœuds. Les deux indices qu'au premier coup d'œil qui devraient vous attirer l'attention, d'un, il n'y a pas l'implémentation de nœuds. L'implémentation du nœud était sous la forme d'une classe interne. Puis deux, il y a la présence d'un tableau qui n'est pas présente dans... qui est normalement qui n'est pas présente dans le... excuse-moi, dans le chaînage. Okay? Puis qui est juste présente pour le statique. L'implémentation statique se construit autour d'un tableau. L'implémentation dynamique ou par chaînage s'implémente autour du nœud. Okay? Qui sont enchaînés un à la suite de l'autre. Puis il y a tout ce jeu-là d'instruction, d'illustration un peu que je mettais là. Okay? Fait qu'Émile, merci d'avoir répondu. J'en profite pendant que vous étiez occupé. J'ai pris le temps de regarder un peu les notes d'Émile. Gros bonus pour tes mini-quiz, mon ami. Ok, merci. Bon, c'est une question bonus. Ça vient te donner plusieurs points au niveau de la session. Félicitations, merci de ta participation. Pour les autres, écoutez, je ne sais pas, mais c'est sûr que si vous regardez, là, tu sais, j'enseigne le cours, puis tout, je sais que les cours sont disponibles en différé, je sais tout ça, mais si vous embarquez pas dans le cours, au final, là, je veux dire, tu sais, ce n'est pas un cours qui est facile, je l'ai parlé au début de la session. C'est un cours qu'on a l'habitude d'avoir des gens qui coulent, puis c'est, je dirais même, tu sais, c'est un cours que les limites au niveau des gens qui coulent sont un petit peu plus louches, lâches, pas lâches, mais flexibles au niveau des autres cours. Si vous n'avez pas l'attitude de justement d'être capable. Ici, là, c'était même pas la question. Vous voyez, Émile, il y a eu des points. C'était même pas la question de savoir par cœur, mais au moins participer à la discussion, participer à la réflexion, se poser, se challenger un peu. Ça, je disais, moi, je suis présent au cours, je ne peux pas aller plus loin, je ne peux pas m'avancer dans cette histoire-là. C'est vraiment votre volonté d'embarquer dans l'histoire qui va faire que. Qui va amener votre succès. Surtout que je sais que c'est plus difficile parce qu'on est en enseignement à distance et tout ça. Mais le fait est que probablement que ça va durer encore pour un temps. Puis si dans vos cours, vous n'arrivez pas à vous motiver et à embarquer dans la discussion, ben à la fin, c'est vous qui allez payer le prix. Donc, en tout cas, tout ça pour dire, là, je veux dire, j'aime pas tant être un donneur de leçons, mais à un certain moment, il faut quand même le présenter. Là. Les choses telles qu'elles sont. Et vous voyez la différence tout de suite dans les premières lignes. Vous voyez celle-là ici, Émile, c'est quoi ça? Dynamique ou par chaînage ou Ça, statique. c'est chaînage parce qu'on a le nœud. On n'a pas de Exact. table. Tu vois, ça, j'ai eu des points aujourd'hui et j'ai l'impression que tu vas avoir plus de points plus tard parce que c'est une leçon que tu as appris. OK? Fait que tout de suite, on peut le voir. Fait que quand on vous demande d'implémenter, tout de suite, c'est le déclic qui dit OK, on a parlé de chaînage, on pense en termes de nœud. On parle d'implémentation statique, on parle en termes de tableau. On pense en termes de tableau. Merci de ta participation, Emile. On va avancer avec le cours. Je ne sais pas si vous êtes des amateurs de mèmes. Je sais que ça me trotte dans la tête, j'en parle, mais c'est sûr que ça me trotte dans la tête, mais c'est des genres de mèmes de dire un certain. En tout cas, écoutez, des mèmes de profs, mais de dire un peu
Ah, pourquoi les cours sont difficiles? Pourquoi les profs? Puis là, on pourrait avoir les 5 minutes où ce que j'attends de réponse, puis finalement, il y en a juste un qui vient. Un petit même qui vient de se produire ici. Chaînage 5 versus chaînage double. Tout d'abord, comment enlève-t-on le dernier élément d'une lèche chaînée simple? OK? Je vais illustrer le propos. Excusez, je vais juste. Ce que je veux, c'est aller chercher mon Google Slide pour pouvoir faire du dessin de manière efficace à l'écran. OK. Fait que ce qu'on a ici, si vous rappelez bien le dessin qu'on utilise pour le chaînage simple en particulier, on utilise ça ici, on utilise. C'est juste de. Je ne sais pas pourquoi est-ce que. Seconde, je vais essayer de voir, il n'y a pas moyen d'avoir un. Je vais de même. Pas très long, je veux juste. Si je veux de même, puis je veux de même. Bon, OK. J'ai oublié comment est-ce que je m'y prenais pour avoir ce dessin-là. Bon, chaînage simple, on sait, le nœud connecte le suivant. OK. Puis, on a la tête qui est indiquée ici, la tête. Qui est donc un lien qui est présent dans l'implémentation, qui nous donne la référence au premier élément. OK, fait que vous voyez, avec la tête, ensuite de ça, tous les nœuds suivent. Puis, à chaque fois que je vais faire une opération, il faut que je commence par la tête. On l'a vu dans toutes les implémentations, que ce soit la liste, la pile, la file. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a dit que la pile devait travailler au niveau de la tête, parce que ça nous évite d'avoir à toujours aller à la fin. À partir de la file, on n'a pas le choix. Puisqu'il y a un first in, first out qui apparaît, il faut travailler d'un côté puis travailler de l'autre. Puis il y a toujours là, cet élément-là de boucle, là, où ce qu'on va chercher où on veut travailler là, dans la file. Okay? Puis qu'il faut toujours aller chercher le dernier puis aller trouver lequel qui a une référence nulle pour finalement ajouter à la suite ou enlever à la suite, peu importe. Fait que ça, c'est chaînage simple. Si on y pense, là, sans même là, juste à partir du nom chaînage double, si on y pense, qu'est-ce qu'il y aurait comme manière qu'il y aurait d'optimiser, d'améliorer l'implémentation de cette chaîne-là? Qui pourrait juste arriver là, sans trop réfléchir, juste dire, ah, ben, il suffirait de faire ça, puis il me semble que ça donnerait plus de possibilités. Pouvoir le faire dans les deux sens. Ah, excellent. Merci, Tommy. Effectivement, juste de façon, ça dit dans le mot, juste d'ajouter un chaînage dans l'autre sens. Ça fait que maintenant, on peut travailler à la tête. L'autre, on va l'appeler la queue. On peut travailler à la tête et à la queue, au début ou à la fin. Prenez note qu'à partir du moment où on est en chaînage double, la notion de début puis fin est plus là. C'est une notion qui n'a pas vraiment de raison là, au-delà de juste que c'est nous qu'on l'appelle comme ça. Parce qu'après tout, la tête ou la queue, je veux dire, quand on est en chaînage double. Puis vous voyez, fait que là, à partir de là, on peut travailler du côté. On peut travailler à la queue ou travailler à la tête. Fait qu'évidemment, on n'a plus besoin de chercher toujours où on veut aller. Par contre, qu'est-ce que ça amène? C'est que ça amène un autre ensemble de liens. Puis dans les faits, ça n'ajoute pas de complexité au niveau de la conceptualisation de l'idée, mais ça ajoute un peu de complexité au niveau du code parce qu'il va falloir juste gérer à la fois les liens du chaînage simple et du chaînage dans l'autre direction également. OK? Mais sinon, si on comprend bien l'idée, ben on voit que tout le reste, tout va suivre. OK? On va regarder un peu que j'avais des notes de cours par rapport à ça. Fait qu'effectivement, tout simplement travailler au niveau du dernier élément, ben, j'ai plus besoin d'aller parcourir jusqu'à la fin. J'ai directement une référence à la fin qui me permet de travailler. Et le chaînage double complète le chaînage simple en faisant un parcours dans la direction inverse. Si on compare, on peut imaginer une liste doublement chaînée comme étant une liste avec deux points de départ, un à la tête et un à la queue de la liste. Les méthodes permettant d'ajouter et enlever peuvent être ensuite optimisées en fonction du point de départ plus près de l'index à atteindre. À partir de là, il y a vraiment tout un monde qui s'ouvre
par rapport au chaînage. C'est-à-dire que c'est sûr qu'on n'ira pas là, mais imaginez, là, si j'ai acheté du chaînage simple, j'ai acheté du chaînage double, un autre type de chaînage de l'autre côté, y a-t-il une limite au type de chaînage que je veux faire? Par exemple, si je veux faire de la recherche optimisée, je pourrais-tu avoir une référence en plein milieu? Je pourrais-tu avoir des raccourcis pour le parcours? À la limite, au lieu d'implémenter une liste chaînée, est-ce que je pourrais faire un... Je suis sûr que ça va commencer à être bizarre un peu, là, mais c'est pas si abstrait ça parce que j'ai un devoir que j'amène de temps en temps qui va chercher un peu cette notion-là. En fait, qui utilise justement cet élément-là, c'est-à-dire que au lieu d'être doublement ou simplement chaîné, on pourrait aller jusqu'à chaîner littéralement là, je veux dire, tous les éléments les uns avec les autres, puis donner justement des formes. Là, imaginez là, que ben, je peux le faire rapidement. Là. OK. Fait que, là, ici, on est rendu avec un chaînage en deux dimensions. OK. Si je vais plus loin, je peux même imaginer un chaînage en... J'ai déjà posé des questions comme ça d'examen, un chaînage en arbre. OK. C'est-à-dire que là, je peux avoir un nœud qui est chaîné avec tous les autres nœuds. L'idée, c'est qu'une fois qu'on a étendu le principe du chaînage, il n'y a rien qui nous empêche de l'étendre à toutes les géométries qu'on pourrait vouloir imaginer ou que le problème pourrait nous demander. Pensez pas que ce que je montre est juste des exercices de pensée. Là. L'idée, c'est qu'un chaînage en deux dimensions comme ça, je l'ai fait, j'ai un devoir où ce que, qui sera pas présenté cette année, là, mais je l'ai présenté cet été, c'était un devoir de, parce que c'est un RPG, un jeu de rôle. Le personnage, il se promène dans un labyrinthe. Il faut créer un labyrinthe. Le labyrinthe est fait par chaînage. Parce que le deux, c'est qu'on part avec toutes les cases qui sont connectées. Puis ce qu'on fait, c'est qu'on place des murs. On dit, OK, lui, il n'est plus connecté à lui. OK, c'est bon. Après ça, OK, lui, il n'est plus connecté à lui. Puis, en faisant tout ça, on arrive justement à créer un réseau dans notre tableau 2D qui permet justement d'avoir notre labyrinthe. Les arbres très utilisés dans les algorithmes de tri que je vous avais parlé, là, il y en avait un qui était, il y avait les algorithmes Quick, il y avait l'algorithme Merge, il y en a un que je n'ai pas insisté dessus, mais qui est l'algorithme Heap. Puis le Heap est un concept en programmation qui est le concept d'organisation en arbre. Okay? Puis c'est très, il y a moyen d'optimiser beaucoup de choses. Et après ça, on va plus loin. Après ça, il y a juste des notions. Là, ça devient de plus en plus mathématique, mais juste des notions de graphes, par exemple, okay, qu'on pourrait imaginer du chaînage également. Là. Okay, puis ça, ce n'est pas des trucs qui sont abstraits. Ça, c'est ici, là, c'est Facebook Friend Network. Puis juste pour le fun, on appelle ça un graphe. J'ai perdu le nom. Small World. Small World. C'est que tu as beaucoup de gens qui sont interconnectés entre eux, puis après ça, tu as des connexions entre les groupes. OK? Puis il y a beaucoup de systèmes naturels qui convergent vers des organisations comme ça. Ici, on a une organisation sous forme de lattice. Fait que l'idée, c'est qu'il y aura une foule de trucs qui peuvent être organisés sous forme de chaînage. Puis chaînage, donc, peut vraiment être adapté à toutes les sortes. Ça, c'était l'ouverture du sujet. Mais sinon, pour l'instant, on se concentre sur l'implémentation de la liste du chaînage, du double chaînage, qui est la notion où on va pousser, jusqu'où on va pousser le chaînage dans le cours INF-111. Bon, sinon, on prend un peu les mêmes étapes, c'est-à-dire qu'on va implémenter, bon, pile, fil. La liste, je ne l'implémenterai pas, je vais vous laisser en exercice. Fait qu'on commence avec la pile, on va faire la file, on va pouvoir évaluer un peu. Pendant que je vais commencer la liste, excusez, parce que je veux quand même adapter là, un certain nombre, pas adapter, mais je veux vous montrer comment insérer en plein milieu, parce qu'on va travailler des deux côtés, vous montrer aussi comment est-ce qu'on fait pour travailler en plein milieu de la file. OK, lui, je vais renommer. Donc, je vais passer à un nouveau projet. OK. Classique, j'ajoute une nouvelle classe qui est programme. OK. Je vais créer un nouveau package pour regrouper mes des
J'appelle TDA, c'est double. Seulement pour dire double chaînage. Très bien. Donc, la pile. Super. Regarde le même principe ici. C'est-à-dire qu'on va encore avoir une classe nœud. La différence du chaînage simple, ben effectivement, il va y avoir deux références, c'est-à-dire une référence sur le nœud suivant et une référence sur le nœud précédent. J'aurai toujours l'élément qui va être un object. Vous savez pourquoi je vais. OK, attendez un peu. On va le faire, je vais le présenter aujourd'hui. Et je vais juste vous. Je vais introduire une nouvelle notion qui va donc être mon élément ici. Parfait. Ça, c'est bon. OK, constructeur. Je vais faire un constructeur qui reprend, qui reçoit l'élément suivant précédent. Je vais adapter les constructeurs en fonction de mes besoins de tantôt. Les constructeurs, je vous rappelle que dans le cas présent, les objets sont disponibles dans tout le fichier. L'idée, c'est que, puisque c'est une classe interne, les notions de... C'est sûr que je pourrais rendre les éléments privés, mais dans le cas actuel, je l'utilise beaucoup plus dans le concept d'un enregistrement que dans le concept d'une classe. Fait que l'idée, c'est que les éléments ici, je veux qu'ils soient disponibles dans tout le fichier de ma pile, dans toute la classe de la pile. La seule raison pourquoi je crée un constructeur, c'est plus parce que ça me permet de regrouper plusieurs lignes de code. C'est comme un super-am, là, c'est-à-dire que je peux dire... Je peux juste tout assigner mon objet en une seule ligne de code plutôt que d'avoir à toujours répliquer les trois lignes de code. Mais ce n'est pas parce que j'ai besoin d'un constructeur comme tel. Parfait. Fait que ça, c'est monté. Je pose la question, une pile, c'est quoi la logique de la pile? Est-ce que quelqu'un peut me le rappeler? La pile, c'est comme une pile d'assiettes. Tu commences avec ton premier élément, puis après ça, tu fais juste empiler tes nouveaux par-dessus le premier. Donc, le dernier va être toujours le premier que tu vas sortir. Le dernier que tu as ajouté va toujours être le premier que tu vas sortir. Yes, exactement. Savez-vous quoi, maintenant que j'y pense, là, honnêtement, je vais probablement sauter l'exemple de la pile parce que je vais vous expliquer pourquoi. Au final, on travaille juste d'un côté. Dans le cas du double chaînage, là, je réalise que si on travaille la pile d'un seul côté, ça ne sert absolument à rien d'implémenter un double chaînage parce que je ne gagne rien du tout, du tout, du tout. Je pense que ce qu'on fait, c'est que la pile, gardez-la, dites-vous, écoute, si quelqu'un vous demande une pile de doublement chaînée, dites-lui, t'es sûr parce que ça ne sert à rien, il va dire oui, bien, que vous le ferez. De toute façon, vous êtes capable de débrouiller. Ce qu'on fait, c'est qu'on va sauter directement à la file parce qu'à la file, là, on a un avantage à aller vers dans le double chaînage. Refactor. À moins que quelqu'un me montre que je me trompe, là, mais j'ai vraiment l'impression que la file, on gagne absolument rien. La pile, on ne gagne absolument rien dans le double chaînage. La file, là, ce qui est intéressant, c'est que la file, on voyait qu'il fallait travailler des deux côtés parce que ça rentre d'un côté, ça sort de l'autre. Fait que là, on va enlever à la queue puis ajouter à la tête. Puis ce qui est le fun, c'est qu'on va. Ça va simplifier notre code parce qu'on n'aura plus la boucle while tant qu'on n'a pas trouvé le bout de la file. OK. On a un petit avantage là-dessus. OK, les deux références qu'on a besoin, on a besoin d'une référence au nœud. OK, au nœud de tête et au nœud de queue. Ici, de manière explicite, je vais indiquer au début sont nuls. Nul, j'utilise pour vraiment montrer. OK, au début, quand c'est vide, les deux sont nuls. Parce que ce qui arrive beaucoup dans les situations de chaînage, c'est qu'il faut juste gérer les cas, les cas particuliers. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a assez d'éléments dans la file, c'est facile de gérer l'ajout un peu n'importe où et tout. De générer de façon générique, mais au début, quand c'est vide, quand ça devient vide, il y a une petite détection à faire, puis il faut juste rajuster un peu. OK, les noms des méthodes qu'on a. Remarquez que là, les méthodes vont avoir exactement les mêmes signatures que lors de l'implémentation simplement chaînée. L'idée, c'est que du point de vue de l'utilisateur, dans les faits, là, l'implémentation, qu'elle soit statique ou dynamique, parce que je dis dynamique, mais en fait, je devrais dire de chaînage. Parce que je ne peux pas vous dire si dynamique est vraiment un synonyme de chaînage, mais que ce soit par une implémentation statique ou par chaînage, l'utilisateur de la librairie ne s'en rend jamais compte. Ça va être documenté. Quand il va lire la documentation, les commentaires, il va pouvoir voir « Ah, OK, ça, c'est tel type d'implémentation. » Ça va lui permettre de faire le choix. Mais dans les faits, au niveau de l'interface, c'est-à-dire des méthodes publiques qui sont disponibles, toutes les implémentations présentent exactement les mêmes méthodes. OK. Fait qu'enfiler, on va enfiler à la tête puis défiler à la queue. D'abord,
On vérifie if. Dans ce cas-ci, on n'a pas. OK, on va simplement créer un nouveau nœud. Le nouveau, on l'appelle nouveau, égale new nœud. Le premier élément qui rentre, c'est l'élément. OK. Là, je n'ai pas le constructeur. Je vais juste monter mon code un peu, puis après ça, je vais rajouter plus loin si j'ai besoin. Son suivant, à lui, c'est quoi? C'est la tête. OK. Là, ce que je réfléchis un peu en faisant l'implémentation, c'est que je me pose la question, est-ce que je suis capable d'arriver avec une solution pour laquelle le fait qu'on soit vide ou pas vide doit être ajusté? Ou si je suis capable de juste implémenter un code qui va fonctionner dans tous les cas? Fait que j'ai ça qui roule un peu derrière ma tête quand je l'implémente. Vous voyez, ici, j'étais capable de dire le suivant de la tête, excusez, le suivant du nouveau nœud, c'est la tête, pas de trouble. Si tête est nulle, ça marche. Si tête est un autre nœud, ça marche. Puis son précédent, en considérant que c'est la tête, bien, son précédent, c'est nul. Puis encore là, c'est vrai dans tous les cas. OK, je viens de trouver où est-ce que ça accroche. La deuxième chose, fait que là, j'ai pris le nœud et je l'ai attaché. La deuxième chose, c'est que j'ai attaché le nœud à ma file. Je peux retourner au niveau des illustrations pour nous aider à voir ce qui se passe. Fait que là, j'ai créé un nouveau nœud. OK. Puis là, ça, c'est l'ancienne tête qui est là. Qui peut ou ne peut pas être nul à ce niveau-ci, je ne sais pas. La première chose que j'ai fait, j'ai pris lui, je l'ai attaché ici. C'est bon. Ça, il n'y a pas de trouble. La deuxième chose à faire, ici, j'ai mis nul. OK. Je vous rappelle toujours ajuster votre nouveau nœud avant l'autre. Je vous rappelle que je l'avais montré là, la semaine dernière, normalement, mais. Il y a des situations où vous risquez de perdre votre chaîne si vous n'attachez pas le nouveau en premier. Oui, j'ai pris le nouveau, j'ai mis son suivant, je l'ai mis sur la tête, j'ai mis son précédent égal à nul. C'est bon, pas de trouble. Ma tête, maintenant, ce qu'il faut que je fasse, il faut que je prenne son précédent et je le mette sur mon nouveau nœud. Il okay? faut que je fasse ça ici. Le problème qu'il y a, c'est que si ma tête est nulle, je vais avoir une erreur. OK? On va essayer de voir un peu si vous commencez à comprendre les erreurs que vous allez avoir. Par exemple, si lui, je fais tête.précédent, égale nouveau. Qu'est-ce qui va se passer à cette ligne-là si ma tête est nulle? C'est quoi l'erreur qui va sortir? Est-ce qu'il y a une erreur? Oui, je viens de le dire. Mais est-ce que vous êtes capable de me dire quelle erreur qui va sortir? Ben, je sais qu'il va faire un new, là, normalement. Faire genre un nul pointeur ou quelque chose comme ça. Oui, exact. C'est ça. Parce que tête, s'il est nul, ici, je vais avoir un nul pointer exception. OK, fait que cette opération-là, je peux juste la faire, effectivement, si ma tête n'est pas égale à nul. OK, je peux faire ça. Fait que je peux l'attacher. Puis après ça, dans tous les cas, ma tête devient égale à mon nouveau parce que je viens de l'ajouter. Là, on n'a pas géré la queue en passant. La queue, il faut s'en occuper aussi parce que, évidemment, ici, si... Si j'ai plusieurs éléments dans ma file, la queue, je n'ai pas besoin de m'en occuper. Parce que vous voyez, la queue est ici, puis là, je suis en train de travailler de ce côté-ci. J'ai ajouté un nœud, il n'y a pas de trouble. Par contre, si effectivement j'ai un seul élément dans ma file, bien, il se trouve que cet élément-là est à la fois la tête et la queue. OK? Donc, ça demande à ce moment-là de juste venir ici et dire OK, bien, regarde, ma queue ici, il faut que je l'ajuste. Ce qui est intéressant, c'est que cette situation-là se présente juste dans le cas où la tête est nulle. Parce que si la tête est nulle, c'est ce qui m'indique que la file est vide. Puis, le fait que j'ai besoin d'attacher la queue ici arrive juste si la file est vide. Fait que l'idée, c'est que je peux gérer les deux cas de la même manière. C'est-à-dire, je peux dire, OK, si la tête n'est pas égale à nul, je peux faire ce morceau-là. Sinon, je sais qu'il faut aussi que je fasse que la queue soit égale à nouveau, de manière à ce que nouveau est à la fois la tête et la queue, parce que j'ai juste un seul élément. Fait qu'en faisant tout ça, j'aboutis avec... La solution suivante, qui est justement celle que j'espère que j'ai montré, qui est un nœud qui est à la fois la tête et la queue. Okay? Avec la gestion des if, évidemment, ça, je vais toujours le tester, mais pour l'instant, avec la gestion des if, dans ma tête, je simule le cas. Si, mettons, j'ai plus qu'un élément, c'est-à-dire j'ai déjà une tête, je vais passer ici. Mon nœud va rester la queue, c'est-à-dire que... C'est-à-dire, si j'en ai un nouveau à ajouter, lui, il va se retrouver là.
OK, lui va être ajusté comme ça. OK, lui, ça, c'est l'ancienne tête, point précédent, va être assigné. C'est ce que j'ai ici. L'ancienne tête, point précédent, parce qu'ici, ça va être la nouvelle tête. La queue n'est pas affectée parce qu'elle reste toujours à la même place. Lui, va être initialisé de la même manière. Comme je disais à ce moment-ci, c'est sûr que je vais toujours prendre le temps de tester mes trucs, mais j'ai le sentiment que mon travail au niveau de la tête est fait. Si on regarde, si on compare juste le fun avec pour le fun avec le simplement chaîné, vous voyez, enfilé, on avait une boucle, pour descendre jusqu'à la fin. Pas que le code était si compliqué que ça, mais il y avait quand même un petit élément de plus, l'idée d'aller chercher la queue. Okay? Défiler restait un code simple. Et après, c'est ici, comme c'est le cas dans plusieurs fois, quand on veut ici défiler, c'est juste l'opération inverse. On va retourner un objet. OK. Fait que défiler. Je reprends un peu la même logique. Je vais utiliser ça pour me guider un peu. Là, je sais une chose, c'est que l'élément que je vais retourner, okay, quand je sors un élément, je vais toujours le sécuriser. C'est-à-dire élément égale queue, point, élément. Return, élément. Seul truc ici, il faut juste s'assurer que la queue n'est pas nulle. Parce que si la queue est nulle, if queue égale nulle, c'est le cas où la file est vide. Okay. Ici, je vais juste mettre un commentaire ici, fil vide, parce qu'on n'a pas spécifié si on voulait gérer par exception ou si on voulait gérer par tout simplement retourner nul. Okay. Fait que, tout ce que je sais, c'est qu'il y a une situation ici, là, que je vais faire à gérer en fonction des requis. Bon, sinon, je peux tout de suite aller chercher et retourner. Marquez comment mon code, j'y vais par logique ici, parce que le code qui va, tu sais, je ne vais pas en l'ordre, je ne vais pas toujours programmer les éléments par ordre comme l'exécution. Des fois, pardon, ici, ça avait plus de sens de juste gérer de façon complètement à part l'élément. Fait que là, je sais que mon élément a récupéré à la queue, l'élément est retourné, parfait, je peux me concentrer sur la logique au niveau des nœuds. OK. Les nœuds, la logique au niveau des nœuds. Ici, je viens de détecter, je sais que je suis pas vide, fait que je sais, mais il y a deux situations, soit j'en ai plus qu'un, ou soit j'en ai juste un. Si j'en ai juste un, il faut que je termine l'exécution avec la queue et la tête égale à vide, si j'en ai juste un. La manière de détecter si j'en ai juste un, la première qui me vient en tête, c'est de vraiment me poser la question. Est-ce que queue, en fait, est-ce que tête égale queue? Il y a plusieurs manières de vérifier ici. J'aurais pu utiliser aussi, est-ce que queue, point précédent, est égal à nul? Ici, je pose la question, est-ce que tête égale queue? Donc, est-ce que finalement, j'ai juste un nœud? Si la tête et la queue sont égaux, ça veut dire que j'ai juste un seul nœud. Ça veut dire que j'en ai juste un. Ça veut dire que tête égale nul et queue égale nul. Fait, oui, d'un seul coup, je viens d'éliminer les deux. Excusez, je viens d'éliminer tous les liens que j'avais sur les nœuds existants. Fait que ça veut dire que je viens de retomber à la situation vide. Puis le garbage collector, on se rappelle, va venir puis va ramasser les éléments quand ça va y adonner. Okay. Sinon, ça veut dire qu'il y a plus qu'un élément. À ce moment-là, ce qu'il faut que je fasse, c'est queue. Point précédent égale queue. Ça, je suis certain que ça va venir. Je sais qu'un. OK. Puis, queue point suivant. L'ancienne queue est remplacée par l'ancienne. Est-ce que c'est suffisant? Y a-t-il d'autres choses? Je vais retourner à la table à dessin, juste vérifier, voir s'il y a des trucs. Fait que si je vais enlever ici, j'ai plus qu'un. Fait que si je vais enlever lui, là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la queue puis j'ai été la mettre là. Oups. Ah, vous voyez, il y en a un autre ici. Vous voyez comment est-ce que le dessin, honnêtement, là, je pensais que j'avais terminé. Mais vous voyez, là, on réalise que la nouvelle queue, point précédent, point suivant, doit être mise à nul également pour qu'on retrouve donc une belle fin de fil. Donc, queue. Point suivant égale. OK. Je répète là, beaucoup là, au niveau du chaînage, je vous dis, là, si vous maîtrisez la table à dessin que vous avez ici, là, que je vous ai montré, comment représenter chaque nœud puis comment opérer, là, tant que vous êtes capable de le dessiner puis voir un peu, ça va vous sauver la vie
à tout moment, parce que tout mémoriser, comment tout faire. Pas juste c'est pas possible de tout mémoriser, mais évidemment, c'est plus simple de comprendre que de mémoriser. Okay? C'est toujours un trade-off. Là. Fait que l'idée, c'est que moi, je comprends bien, puis j'ai un outil qui me permet de me rappeler. Fait que ça fait que j'ai beaucoup moins besoin de mémoriser. Puis je sais qu'au final, je ne ferai pas d'erreur, parce que ça me fait un genre de checklist. Quand je décide, ça me fait mon checklist. Parce que même si je savais par cœur, il n'y a rien qui m'empêche un jour de juste faire une. Maintenant, ici, ça, je laisse de côté. C'est un sujet que je vais aborder séparément parce que, dans le fond, la gestion de comment est-ce qu'on va gérer la COVID est une question séparée de l'implémentation. C'est juste, c'est plus simple en part que la gestion des exceptions puis des erreurs dans le code. Puis, en gros, je viens d'avoir, évidemment, je garde toujours moi, j'ai la philosophie, tout le monde m'a dit, tant que le code n'est pas testé, je considère qu'il y a plein de bugs. Même si je suis vraiment sûr que j'ai réussi à implémenter du premier coup, je me dis, non, il y a toujours au moins un bug. Fait que je vais toujours me lancer, je vais dire, bon, ben maintenant, c'est le moment de tester. OK. Exemple 1, parfait. Private, statique, exemple 1, super. OK, fait que là, ici, on va donc se créer une file. Qu'est-ce qu'il met ici? Private. Ah, j'ai oublié de mettre le void. Parfait. Je vais créer une nouvelle file. Je vais avec le test classique. Je commence par la normalité, c'est tout simplement d'ajouter 5 éléments ou peu importe à ce niveau-là. Plus petit que 5, i plus plus. Puis d'en enlever 5. Enfiler, défiler. Au moment de défiler, on affiche. Évidemment, c'est un test très, très préliminaire, si on veut, mais comme point de départ, ça n'a rien de se retrouver avec 1000 bugs à gérer. Et oui, il m'a sorti 5-0. Donc, normalement, j'y ai ajouté les chiffres de 1 à 5, puis quand j'ai voulu défiler, il m'a retourné un paquet de 0. Fait que de toute évidence, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. On va commencer par suspecter ça ici. Fait que ici, mon élément enfilé, l'élément est ajouté au nœud. J'ai pas eu d'erreur en passant, j'ai pas eu de null pointer, des trucs comme ça. Ici, je peux rajouter un système out. Fil vide, ça va juste permettre rapidement de détecter si c'est ça qui se passe. Je peux relancer. Non, c'est pas un problème de fil vide. Élément, queue.élément. Ouais. Return, défilé. Première vue, ça c'est bon. Le zéro, ça se peut. Je réfléchis un peu. Le fait qu'il sorte plein de zéros, qu'est-ce que ça peut être? Est-ce qu'il retourne toujours le même élément? Possible. Est-ce que ça se peut qu'il ait juste pris le premier élément et qu'il ait copié sur tout le reste? C'est possible aussi. C'est sûr qu'avec le chaînage, avec un tableau statique, ce serait mon premier suspect parce que tableau statique, à cause du décalage, c'est une erreur fréquente. Ici, il reste que chaque nœud est associé avec son élément. Moi, ce que je fais à ce moment-là, là, c'est divide to conquer. C'est-à-dire que, regarde, là, j'ai un bug. J'ai une façon de vérifier, mais en fait, j'ai tenté deux éléments. J'ai tenté d'enfiler et j'ai tenté de défiler. Okay? Il est très possible que le défilé soit parfaitement correct et que le problème soit enfilé. Ou ça se peut que l'un soit correct puis l'autre soit. Le premier truc, c'est de couper le problème en deux. On va déterminer, c'est-tu enfilé ou défilé qui ne fonctionne pas. Ce que je vais faire à ce niveau-là, regardez bien, c'est que je vais. Moi, je rappelle, je débug tout le temps avec la console. Ça m'a toujours sorti du pétrin. Il n'y a rien qui vous empêche, des fois, même si c'est un problème qui vous demande d'implémenter un certain nombre de fonctions, à moins que vraiment qu'il y ait quelque chose, il n'y a rien qui vous empêche de juste ajouter une fonction de débogage qui dit afficher fil. Souvent, ce que je vais faire, par contre, c'est que cette fonction-là, je vais l'enlever avant la remise. Okay, la remise ou la livraison. Là. C'est-à-dire qu'à un certain moment, il y a toujours un moment que tu le passes dans ton code, tu dis OK, là, j'ai terminé mon code, je vais faire du ménage. Puis j'ai toujours pas le temps de regarder tous mes éléments, puis ça, à ce moment-là, je vais l'enlever. Mais pendant le développement, il n'y a rien qui m'empêche de l'avoir parce que c'est très pratique. Ce que je vais faire ici, c'est je vais parcourir toute la file puis j'ai affiché chacun des éléments. Puis ça me permet de valider justement d'avoir un point de validation entre les deux. Fait que while ici, on va chercher un nœud.
2 qu'on va appeler courant égale tête. OK. While courant n'égale pas nul. System out courant.element. Ça va lâcher. Et après ça, je vais faire courant. Égale courant.suivant. C'est quand même simple. Une fois qu'on a un premier chaînage, on voit que c'est très, très simple de parcourir une chaîne juste en partant de même. Parfait. Fait que programme principal ici. Fil point. Parfait. Fait qu'on a un point de validation entre les deux. Oh! Vous voyez, 4, 3, 2, 1 en partant de la tête, effectivement. Fait que là, c'est 0 qui va sortir, mais vous voyez, on vient de confirmer que l'enfilé est correct. On tombe au niveau du défilé. Juste pour la fin, regardez ce que je vais essayer. Je vais essayer de le rafficher une deuxième fois, juste pour voir si les éléments sont bel et bien sortis. Oh, vous voyez, les éléments ne sont pas sortis de ma file. Parce que les valeurs sont encore dedans. Puis là, ce qu'on voit, c'est que dans le fond, il m'a toujours retourné le 0 parce qu'il n'a pas sorti les éléments. Puis il a toujours été capable d'aller chercher l'élément en queue, mais la queue ne s'est jamais fait remplacer. Vous voyez, juste avec des prints, là, on vient de vraiment mettre le doigt. Qu'est-ce qui se passe ici? Queue.précédent égale queue. Effectivement, cette ligne-là est à l'envers, mes amis. C'est queue égale queue.précédent. Queue.suivant égale nul. Vous voyez, c'est... OK. 4, 3, 2, 1, 0. 0, 1, 2, 3, 4. Puis après ça, quand j'ai fait afficher, vous voyez, il n'y a plus rien qui est apparu. Fait que... Notre fidèle console nous a encore, avec le système printout, nous a encore sorti du pétrin. Parfait. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions au niveau de la file? Fait que ça a été aussi simple que ça. Je vais quand même, avant de quitter la file, je vais vous montrer un nouvel élément par contre. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions au niveau de la file? Au niveau du debugging, je sais qu'on aurait pu utiliser du step-by-step et simplement voir la valeur de chacun des éléments, du courant, etc. Est-ce que vous pensez que c'est mieux y aller d'affichant sur la console ou en y allant avec du step-by-step? Okay. Je crois que ça revient à la question de la dernière fois, avec dépendamment de où est-ce que tu vas travailler. C'est sûr que je vais refaire un peu, j'essaie de la faire plus rapidement. J'ai raconté l'histoire de comment est-ce que je m'étais retrouvé qui a toujours utilisé la console. D'un, la console, sachez, la console, tu l'as tout le temps. Tout le temps, peu importe le type de programmation, peu importe ce que tu fais, que tu sois dans le web, que tu sois dans le système embarqué, que tu sois dans le logiciel, Windows, Linux, tu es toujours, la console est toujours disponible 100% du temps. Le seul moment que tu n'auras pas de console, je vais dire, toi, c'est vrai, le seul moment que tu n'auras pas de console, c'est si tu fais vraiment du embarqué très low level, comme du microcontrôleur. Puis à ce moment-là, j'utilise pas la console, mais j'utilise la même logique. Puis ce que je dis à ce moment-là, c'est tout ce que j'ai besoin pour débugger, ça me prend une LED. Une LED, c'est une petite lumière, OK, qui est pluguée sur une pin. Parce que quand tu es rendu dans l'embarqué, là, microcontrôleur, généralement, tu as au moins des pins sur ton circuit imprimé que tu peux avoir justement soudé des LED dessus. Puis tu peux opérer donc des lumières. Puis ce que je fais à ce moment-là, c'est sûr que c'est plus long, mais je vais débugger avec une LED. Je vais dire, OK, est-ce que la valeur est égale à 10? Oui, allume la LED. Non, éteins la LED. Bon, évidemment, là, j'exagère, mais l'idée, c'est que c'est sûr que le fait de déboguer, d'avoir des techniques de débogage qui sont plus limitées, vient avec le fait qu'il faut que tu comprennes ton code. OK? Parce que comprendre, si tu ne comprends pas ton code, puis tu essaies de déboguer à tâtons, ça marche, mais ça prend beaucoup plus de temps. Moi, ce qui arrive, c'est que je combine le fait que je suis capable de déboguer avec une console, mais aussi j'ai une très bonne compréhension du code. OK? Puis souvent, juste de l'exécuter, je suis capable d'avoir une bonne idée ou mettre quelques éléments, je suis capable d'avoir une bonne idée de au moins trouver. Puis la manière que j'utilise la console, souvent, vous allez voir, c'est un peu cette vision-là dichotomique. Vous vous rappelez la fois dichotomique de couper toujours le code en deux? Bien, vous voyez, je l'ai appliqué directement en live. J'ai coupé le code en deux, puis tu viens au moins avoir la région du code où est-ce qu'il y a le problème. Puis une fois, tu as une bonne idée de où est-ce qu'il y a le problème, mais là, je tombe plus dans l'étude du code puis essayer d'identifier où est le problème. Par contre, dans mes premiers jours de programmeur, puis au moins, puis je dis les premiers jours, les premières années, là, au moins les 10 premières années que je programmais, peut-être pas les 10, mais au moins les 5 à 7 premières années que je programmais, j'utilisais le debugger tout le temps. Okay? Mais il reste qu'au début, quand vous commencez à programmer, on vous amène moins dans vous allez moins vous retrouver dans des situations particulières, là, comme justement, tu sais, les premiers projets que vous allez faire, c'est des projets Windows, tu sais, ou
si vous êtes un peu familier avec Linux, avec des projets Linux. Mais ça va toujours être des projets sur PC. T'sais. Mais c'est plus tard, après ça, au niveau professionnel, que vous allez vous retrouver dans des situations vraiment particulières. Puis peut-être que votre technique va évoluer. Maintenant, qu'est-ce qui est mieux? Pour un débutant, je pense que le débogueur est beaucoup mieux. Là. Je pense qu'en débutant, là, je me rappelle là, au niveau du débogueur, c'est vraiment. Mais c'est sûr qu'au final, c'est qu'est-ce qui est mieux? C'est en anglais, ils disent whatever floats your boat. C'est-à-dire qu'il faut que tu développes une certaine stratégie de débogage qui doit avoir plusieurs outils. Mais je vais te dire où est-ce que le bas blesse, c'est que le jour que tu vas embarquer dans des systèmes embarqués, si c'est la direction que tu prends au niveau professionnel, le débogueur, des fois, là, peut prendre des jours à configurer. Tu sais, avant de trouver comment, là, nous, je me rappelle, on travaillait ce qu'on appelle un Linux Box, qui était un mini PC. C'était un nano PC qui s'appelait, je vais juste vous montrer, juste pour le fun. Là. C'était un système, là, nano PC, je ne sais pas si je regarde le trouver. Non, c'est pas ça. Hey, ça, c'était l'équivalent. Là. C'est pas ça, là, mais tu sais, mettons un jour, là, tu travailles là-dessus. C'est comme un Raspberry Pi, mais ce qui arrivait, c'est que Raspberry Pi était quand même sur une plateforme qui est standard. Il y a beaucoup de monde qui utilise le Raspberry Pi, là, peu importe la version. Et nous, on travaillait sur un ordinateur qui, à toute fin pratique, il n'y avait personne qui travaillait là-dessus. Puis c'est nous, là, j'avoue, j'avais mon partner à ce moment-là, là, qui lui était plus expérimenté là-dedans, mais c'est nous qui avons monté la distribution Linux avec le file system. Puis l'idée, c'était vraiment là, un système qui était bare bone, puis il fallait là, implémenter même certains drivers, puis configurer certains drivers, puis tout ça manuellement par nous-mêmes, pour finalement arriver juste avec un ordinateur qui fait juste la base de pratiquement rien, mais qu'au moins que le hardware fonctionne. Puis à un certain moment, quand tu pars là, bare bone comme ça, là, tu n'es pas juste à une commande d'installer ton débogueur. Là. C'est comme installer ton débogueur, là, je veux dire, il faut vraiment que tu. Tout le code tensé, il est cross-compile par. Cross-compile, ça veut dire qu'il est compilé sur un ordi, mais il est exécuté sur un autre. OK? Fait que là, il faut que tu cross-compiles du code instrumenté. Fait que faut que tu enables le débogueur, faut que tu transfères le code, faut que tu l'exécutes au bord, faut que tu setup un système de communication entre les deux pour être capable d'avoir les messages du débogueur. Parce que ça, ici, des fois, tu n'as même pas d'écran là-dessus. Des fois, tu n'as même pas de VGA, tu n'as rien. Là. Tout ce que tu as, c'est la console par SSH, qui est donc l'équivalent d'un terminal, mais qui passe par IP, par réseau. Fait que quand tu es rendu là, ce qui arrive, là, c'est que tu dis, OK, est-ce que je passe deux jours à configurer un débogueur pour débugger mon problème ou je me raccourcis, tu sais, je me retourne les manches, puis je passe une demi-journée à juste diguer dans le code, puis à trouver le problème. Tu sais, je pense qu'on voit, il y a une question d'optimisation ici. Puis moi, c'est ça, c'est des situations qui se sont présentées fréquemment. Fait que c'est pour ça que j'ai comme juste, avec la console, tu l'as tout de suite. C'est toujours là, puis tu viens qu'à développer des trucs, des workarounds. J'ai débugué là, des trucs vraiment élevés avec juste la console. Là, c'est niaiseux, mais un coup sur Raspberry Pi, justement, j'avais un code qui roulait sur mon PC Linux, qui marchait. Puis je l'amenais sur Raspberry Pi, il plantait. Pourquoi? Au final, c'est une question d'adressage. Là. Je ne vais pas m'éterniser sur le sujet, là, mais dans la mémoire, là, il vient un moment que tu es double, qui occupe 64 bits, ou 64 bits. Puis ton adressage se fait aux 8 bits, mais là, il y avait comme une histoire où que je pouvais adresser deux régions dans la mémoire. Puis sur l'ordi, le compilateur s'organisait pour que les données se retrouvaient avec des régions adressables. Puis sur le Raspberry Pi, le compilateur n'avait pas, quand je compilais pour Raspberry Pi, il n'y avait pas cette option-là. Puis là, je me retrouvais avec un byte, avec un double, qui overlapait sur deux régions adressables. C'est bien compliqué, là, mais tout ça pour dire que j'avais un sacré problème. Puis malgré tout, j'ai réussi avec la console à vraiment mettre le doigt direct sur la ligne de code qui me créait l'erreur. La situation, j'avais arrangé le code pour que l'erreur pop à tout coup. Puis après ça, finalement, même un débogueur ne m'aurait pas aidé à ce niveau-là, mais c'est après ça, c'est de regarder, de se poser des questions au niveau de comment fonctionne un ordinateur, puis qu'est-ce qui peut expliquer que j'avais ce bug-là. Puis en faisant des recherches Google, j'ai mis qu'à déterminer, ah ok, c'est probablement un problème d'adressage mémoire. Mais tu vois, j'ai quand même réussi à débugger ça juste avec la console. Parce que la console est juste à dire quelle ligne de code a le problème. Puis dans certains cas, à quoi il ressemble le problème. Mais au final, c'est juste la compréhension de la programmation qui va te sortir. Puis même chose, un débogueur, tu vas bien voir le meilleur débogueur du monde. Si tu ne comprends pas ton code, tu vas pas te sortir du. Il va pas te sauver la vie. Hein. Ça répond à ta question, je sais que c'est un peu. Oui, ben, pour résumer, c'est beaucoup plus flexible d'y aller avec la console. C'est ça. Ben, c'est ça, la console est beaucoup plus flexible, mais je vais être franc avec toi, la console, quelqu'un qui est très expérimenté avec le débogueur versus très expérimenté comme moi avec la console, probablement que celui avec le débogueur, ou du moins, pour quelqu'un de moyennement expérimenté, probablement que le débogueur va aller plus vite. OK? Puis c'est sûr que si ton débogueur est intégré à ton IDE, ben, tu n'as pas de problème de setup et tout ça. Là, tu sais, puis,
Mais okay. Ouais. C'est bon, je comprends mais, bien. Mais à votre niveau, honnêtement, dans le type de programmation que vous faites, j'aurais goût de vous encourager. Utiliser le débogueur, ça va vous aider aussi à capturer d'autres éléments de problèmes et tout ça. Mais la console, c'est comme mon go-to là, tu sais, pour moi. Hein. Puis aussi, juste pour te dire, il n'y a pas plus tard que ce matin, hein, je débuguais le devoir avec l'autre groupe. Puis regarde bien ça le problème. Il m'arrive, il dit, je comprends pas. Quand j'utilise le débogueur, le code marche. Puis quand j'ai pas le débogueur, j'ai pas le code ne marche pas. OK? Parce que le débogueur, ça change un peu ton code. Pas beaucoup, mais ça change l'ordre d'exécution. Puis ce qui se passait, là, je vais vous dire exactement c'est quoi le bug, puis vous allez comprendre, c'est que dans le devoir 1, je vais juste décrire le symptôme là, si je lance le programme. Là. Le devoir 1, à un certain moment, quand tu pèses sur la touche, le problème qu'il y avait, là, il faisait touche de gauche, ça marchait. Il faisait touche de droite, puis ça ne marchait pas. Puis il se dit, je ne comprends pas, la touche de gauche marche, puis la touche de droite, je ne marche pas. Puis là, il y avait un breakpoint dans son code, puis quand il était en mode débogueur, ça marchait. OK? Bien, croyez-le ou non, c'est parce que vu qu'il y avait un breakpoint, ce qui arrivait, là, c'est que la touche de droite, quand il pesait, était registered, mais elle se faisait comme réécrire par un autre élément qui roulait à côté. Mais quand il roulait le débogueur, vu qu'il arrêtait le code juste à la bonne manière, à bon moment, avec son breakpoint, bien, s'il pesait sur la touche droite pendant qu'il était arrêté, bien, ça marchait. Et tu vois, le débogueur l'a complètement l'a empêché de régler son problème parce qu'il n'arrivait pas à faire du sens de son code à cause que ça marchait avec le débogueur. Tu vois, j'ai vu ça ce matin, c'est niaiseux. Mais parce que le débogueur, il faut être conscient, c'est pas exactement le même code qui roule. OK? D'un, c'est du code instrumenté. OK? Fait qu'il y a quelques lignes de code qui sont ajoutées. Normalement, ça ne crée pas trop de problèmes, mais des fois, ça peut amener quelque chose, un petit changement dans le comportement. Le code est légèrement différent. Puis après ça, juste le fait d'avoir des breakpoints, ça arrête le code. Fait que quand tu as des systèmes asynchrones, ça se peut que tu changes un peu les timings, puis que ton problème soit pire ou soit moins pire. Puis des fois, s'il est moins pire, ça peut t'empêcher un peu de le trouver. Mais encore là, le débogueur va te donner beaucoup plus de flexibilité pour débugger tes affaires. Ouais. Mais bon. Si vous allez dans le web aussi, il y a un moment que tu n'en as pas de débogueur. Si tu fais du développement front-end là, qui s'exécute dans le browser, c'est un autre paire de manches à débugger. Puis encore là, dans le browser, je sais que je m'étends, là, mais More Tools, Developer Tools. Mais tu vois, si tu cherches ta console, elle est là. Tu vois, console? OK, fait que si tu roules une page web, tu sais, t'as programmé une page web puis elle roule dans ton browser, ben dans ton browser, tu peux avoir ta console qui roule puis avoir tes messages d'erreur puis tout ça qui sont émis par ton code front-end. La console, elle te sauve toujours. Ça, tu peux pas le débugger à distance parce que c'est du code qui roule localement. Hein. En tout cas, écoute, je peux pas vous perdre. Là. Ça pour dire. On vient de faire la file, on vient de la débugger. Ah oui, je vais vous montrer un autre élément. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à l'implémentation de la file doublement chaînée? Là, je vais vous montrer quelque chose que vous allez avoir de besoin dans votre devoir 2. Puis normalement, je le montre tantôt dans le cours, mais je me dis que c'est un bon moment pour le montrer. Parce que je vous dis, c'est un peu bizarre, mais si vous comprenez bien comment ça marche, là, c'est tout simple. Est-ce que vous vous rappelez pourquoi ici j'ai le mot objet qui est écrit? Ça accepte n'importe quel objet, là, c'est général. Exact. Le problème qu'on avait, c'est que la première implémentation qu'on a faite, c'était pour des entiers. Fait que si je rentrais des entiers, ça marchait. Mais dès que je voulais rentrer un autre type, ça ne marchait plus. Là, je lui ai dit blablabla. Je lui ai dit qu'est-ce qu'on peut faire. Là, je lui ai montré l'héritage. J'ai montré l'orienté objet comme le principe de polymorphisme. Là, j'ai dit bon, c'est quoi la solution? Ah, ben si on utilise le type de base du langage Java pour notre élément, ben ça fait qu'on va mettre n'importe quoi dedans, puis ça va marcher. J'ai dit, c'est vrai, mais. Ça marche, ça résout notre problème, mais je dis, il y a un problème, il y a un défaut à l'idée d'utiliser objet. Est-ce que vous vous rappelez, c'était quoi? Je dis, il y a un truc, un désavantage. C'est beaucoup trop flexible. Exact. C'est-à-dire que là, quelqu'un peut m'envoyer n'importe quoi dans ma liste, dans ma file, puis mon code va continuer à rouler. OK? Fait que j'ai aucune validation du type. Fait que si je veux faire une liste, une file d'entier, quelqu'un commence à m'envoyer des strings, ça va continuer à marcher.
OK? Fait que j'ai aucune validation qui se fait au niveau du type. Maintenant, il y a un autre mécanisme qui permet vraiment d'aller chercher le sweet spot. Le sweet spot, c'est quoi? C'est vraiment de définir au moment de l'initialisation, de dire c'est quoi le type d'objet qui rentre là-dedans. Ce qui est intéressant, c'est que si je veux quelque chose de très flexible, je peux encore lui dire ben, ce que je veux, c'est des objets. Fait que je peux aller chercher ce côté-là de la spécialisation, c'est-à-dire quelque chose de très flexible. Puis à l'inverse, si je veux que ce soit juste des entiers, ben, je peux spécifier, je dis ce que je veux, c'est une file d'entiers. Je peux dire, quand on dit at runtime, c'est-à-dire au moment de l'exécution du code. Ce qui fait ça, c'est ce qu'on appelle le generic. Le generic, c'est quoi? Là, on va googler vite. Java generics example. Oui, je l'ai googlé il n'y a pas longtemps parce que dans le cas du devoir, j'ai poussé la notion à son max. Puis je l'ai envoyé normalement. C'est pas là que je l'ai envoyé. Je vous ai dit, allez, dans le devoir, là, dans l'énoncé, je dis, allez sur tutorial point puis allez en bas de la page. OK, puis on l'a ici, regardez. Public class box. Box reçoit T ici. Puis T là, devient un placeholder pour le type de la classe. Partout où j'écris objet, je peux le remplacer par T. OK? Puis T, ça devient dans le fond une frime. Okay? Puis je peux venir ici et dire OK, T, ça peut être V aussi. OK? L'idée, c'est que c'est la convention, c'est d'utiliser une lettre majuscule ici. OK? Puis un objet, c'est rendu un V qui entre. Ça, c'est un V. Puis il retourne un V. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas pris? Qu'est-ce qu'il a ici? Ça, c'est un V. OK, c'est bon. Puis vous voyez, le code va compiler. Évidemment, ici, c'est donc un generic. Il faut qu'il soit défini à un moment ou à un autre. Mais l'idée, c'est que je ne le définis pas au moment de l'écriture du code, ni je vais le définir au niveau du runtime. Puis là, normalement, je vais avoir une erreur quelque part. Ici, il va me dire, qu'est-ce qu'il dit? File is raw type. OK. Raw type, file is raw type, ça veut dire qu'il va juste prendre le type tel qu'il vient. Je me demande si, honnêtement, je ne sais pas, je n'ai jamais utilisé comme ça, je ne sais pas à quel point il va continuer à fonctionner, mais dans les faits, normalement, la manière de l'utiliser, c'est de le définir ici. Par exemple, si je veux une file d'objet, je peux dire object. Puis vous voyez, j'utilise un peu la même syntaxe. Ici, je viens at runtime de dire c'est une file d'objet. Fait que là, il va prendre tous les objets. Puis là, dans les faits, je n'ai rien changé. Par contre, je peux venir ici et dire, OK, non, ce que je veux, c'est dans les faits, c'est une file d'integer. Là, je viens d'avoir une file d'integer. Puis ce qui est intéressant, c'est que je peux quand même avoir une deuxième file qui, lui, va prendre des doubles. Là, parce que l'idée, c'est que c'est au moment de l'instanciation que je vais dire je veux une file de whatever. Vous voyez? Puis l'idée, c'est que je peux avoir plein de files qui sont vraiment spécialisées pour un type qui peut être à la fois très large et très précis, mais l'idée, c'est surtout que je peux le définir au moment de l'instanciation. Okay? Puis ça, c'est vraiment le meilleur des deux mondes. Okay? Ça, c'est ce qu'on appelle le generic. C'est la manière la plus flexible. C'est sûr que la syntaxe devient un peu mêlante, surtout quand on commence à mélanger avec ça, avec du... En fait, c'est pas si pire encore. Par exemple, je pourrais dire V lui-même extends object. Je pourrais dire, OK, tu vois, V, c'est une classe qui extends object. Je pourrais dire implement whatever. Fait que l'idée, je peux modifier. Je peux soit appliquer des contraintes sur V ou je peux, comme ce qu'il va y avoir dans le TP, ou je peux aller puis dire plutôt quand même, c'est ma file qui extends object, admettons. L'idée, c'est que, là, vous voyez, ça, c'est pas la même chose. Ça, puis ça, c'est pas la même chose. Ici, c'est V que je spécifie que V doit extends object, doit être une classe dérivée de object. Alors qu'ici, je spécifie que le fil elle-même extends object. Là, je vous rappelle que extends object, ça ne veut rien dire, ça ne change rien du code. C'est juste pour vous montrer un peu, là, c'était pour avoir un exemple. Fait que ça, ici, là, cette utilisation-là, c'est generic. Ça ne vient pas même plus compliqué que ce que je viens de montrer. Puis il y a plusieurs exemples de syntaxe. De toute façon, dans le devoir, je vais tenir avec vous. Au début, je voulais. Mon objectif du devoir, c'est peut-être vous demander. Là, je peux vous montrer la ligne de quoi elle a l'air à un certain moment dans le devoir 2. Vous voyez ici. Hein? Public class colonne indexée E extends comparable de E extends colonne de E. Finalement, j'ai décidé de vous la donner, cette ligne-là. Okay? Mais au début, je voulais la faire écrire, puis j'ai dit, hey, c'est quoi? Je pense qu'il y en a qui ne se rendront pas au bout. Fait que j'ai décidé finalement de la donner, mais vous allez quand même avoir au minimalement la comprendre un peu si vous voulez juste être capable de passer au travers du devoir, mais au moins elle est donnée. Fait que c'est plus d'interpréter une ligne de code que de la produire. Fait que ça, c'est generic, puis je trouvais que c'était juste un bon moment de le présenter.
Parfait. Ce que je n'ai pas défini ici, je n'ai pas été plus loin au niveau de la gestion de la. Ici, je rajouterais par contre un return null. Je vous rappelle qu'ici, là, je pourrais très bien faire une gestion par exception. Je pourrais faire ce que je veux. Je veux juste garder la discussion de ce qu'on était. Parfait. S'il n'y a pas d'autres questions, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous implémenter la liste. Je vais implémenter juste une seule méthode, par contre, qui va être la méthode ajoutée. La méthode enlevée va être à vous à faire en exercice. Le début, la même chose. Je pense qu'on va y aller direct en... Oups, faites attention, regardez, il y a eu une confusion ici. Il a pensé que, à cause de mon V, regardez, il est allé chercher la définition de nœud qui était dans le fil. Grave erreur ici. C'est pas ce que je veux. Parfait. Super. On va faire donc public void ajouté. On reçoit ici de la même manière ajouté, on reçoit l'élément. Par contre, on veut aussi un entier qui va nous dire à quel index. Ma question, c'est gestion de l'index. On se rend un grand service de ne pas avoir un index et des valeurs invalides là, à partir de ici. Encore là, soit on fait une gestion par exception, soit on fait une gestion par une collection de l'index, c'est-à-dire si l'index est plus petit que zéro, on le corrige, s'il est plus grand que le nombre d'éléments. Nombre d'éléments, j'en avais parlé, je vous ai déjà démontré qu'une une liste peut s'implémenter en tout et partout sans utiliser cet élément-là ici, le nombre d'éléments. Par contre, il y a une limite à... Fait que, tu sais, toute la logique de chaînage peut se faire sans ça. Par contre, il y a une certaine limite à la souffrance qu'on veut s'imposer en tant que programmeur. C'est-à-dire qu'il reste que ça simplifie beaucoup l'histoire si on fait juste compter le nombre d'éléments qui sont dans notre liste parce que ça permet juste de valider tout de suite mon index, est-tu bon ou il n'est pas bon. OK? Fait que, on va travailler autour de ça. Par contre, je vous ai quand même démontré que c'était possible de le faire sans. Gestion de l'index. On va y aller que c'est possible qu'une gestion par exception. Je pense que si l'index est invalide. C'est quoi le nom de l'exception? On peut bien générer là, spécifiquement l'exception nécessaire qui est. Array index valid Java exception. On ne veut plus comment est-ce que ça s'appelle, mais c'est array index out of bound. On peut juste y aller comme ça ici. Bon, fait que parfait. Fait que if index plus petit que 0 or. Plus grand nombre d'éléments. True, new, true. Parfait. Parfait. Donc là, on sait que l'index est à la bonne place. Là, moi, ce que j'aime bien faire ici, c'est isoler deux cas. C'est-à-dire, soit j'ajoute à la fin, j'ajoute au début. Soit j'ajoute à la fin, j'ajoute au début. Je peux gérer ces deux cas-là. Dans un cas, j'affecte la tête. Dans l'autre cas, j'affecte la queue. Puis aussi, le cas où la... Je vous rappelle dans le cas où la liste est vide, que je vais gérer à part. Fait que regardez bien, fait que je vais y aller comme ça. If OK, fait que si ma liste est vide, je vais faire une gestion ici. Else if index égale 0. Ce que je vais faire des fois, c'est là, je vais un peu à tâtons. Si index égale nombre d'éléments. Je vais un peu à tâtons, mais je vais garder l'idée, je vais essayer de garder en tête la possibilité de peut-être réussir à combiner un certain nombre d'éléments ici. Peut-être que index 0 puis vide, il y a peut-être moyen de faire de quoi. On va essayer de voir. Donc ici, si j'ajoute à 0, ben je peux aller récupérer mon code de la file. C'est-à-dire que tout ce que j'ai à faire, enfiler, si la tête est nulle,
Je vais tout simplement aller chercher ça ici. OK. Ce que je vais faire, c'est mon nouveau... nouveau, ici, je vais me définir un autre constructeur qui fait juste définir l'élément. Parce que dépendant de où j'ajoute, là, je ne sais pas où est-ce que l'élément va être ajouté. Fait que je peux tout de suite régler le cas du nœud. Définir un nouveau nœud avec l'élément. Ça, dès que j'ai compris que l'index était valide, je sais qu'il va être ajouté. Fait que je peux tout simplement le définir ici. Si la tête est nulle, je peux tout simplement dire que égale nouveau. Puis tête égale nouveau également. Dans le rôle de la tête et de la queue. Parfait. Ça, c'est cause que la liste est vide. Si l'index est égal à 0, mais je sais ici que je ne suis pas vide. Okay? C'est important, ça vient quand même de régler ce cas-là. Ben, ce que je sais, c'est que si l'index, si j'insère à 0, donc j'insère à la, en place de la tête, fait que je sais que ça va terminer l'histoire avec tête égale nouveau. Je sais qu'avant, ça va être tête point précédent. Précédent égale nouveau. OK. Je sais que nouveau point suivant va être égal à tête. Dans le fond, si je compte sur les doigts, le nouveau, j'ai deux liens associés, le précédent puis suivant. Le précédent va être nul, le suivant va être tête. Puis tête, j'ai précédent qui va être nouveau, puis suivant qui va être pas affecté. Je crois que ça vient de se mettre en place. Maintenant, si j'ajoute à nombre d'éléments, là, j'ai la même chose. Au lieu d'aller jusqu'à la fin, bien, je peux travailler au niveau de la queue. C'est-à-dire, je peux dire queue, puis regardez, je peux quasiment remplacer en place. Excusez. Nouveau point précédent égale queue. Queue point suivant. Puis je peux, vous voyez, je remplace juste le mot par son antonyme. Et voici queue égale nouveau. Puis je révise. Queue point précédent va être égal à queue. Que point suivant va être égal à nul. Que point suivant va être égal à nouveau. Puis que égale nouveau. Fait que je viens de prendre la place de la queue. Encore là, je garde toujours le doute. C'est-à-dire au moment des tests, je vais quand même prendre le temps de valider est-ce que mon truc est correct. D'ailleurs, je peux tout de suite aller chercher. Là, je vais utiliser mon fichier contenu de la liste. Qui va être exactement la même méthode que j'ai fait pour la file. Parfait. Fait que je vais pouvoir utiliser ça pour valider tantôt. Puis sinon, ben là c'est le bout compliqué. C'est-à-dire que si ce n'est pas ni au début, ni à la fin, ni le cas que c'est vide, ben là, je tombe dans la situation où il va falloir que j'insère au milieu. Et je dis au milieu, mais ce que je veux dire, c'est qu'il va falloir que j'insère à quelque part qui n'est pas la tête ou la queue. Parfait. Je ne sais pas pourquoi j'ai l'habitude de réfléchir quand lui est en haut. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais descendre ça ici. Parfait. Puis toi, le temps. Puis là, j'ai mon nouveau nœud. Je sais que d'une manière ou d'une autre, il va falloir que je positionne à quelque part. Fait que là, moi, ce que je vais faire, c'est que je me donne le défi. Je sais que si j'insère à 0 ou à nombre d'éléments, c'est déjà couvert. Fait que là, c'est soit à 1 ou à nombre d'éléments moins 1. Fait que l'idée, c'est que si j'insère à 1, il faut que j'insère ici. OK, puis je vais le mettre en quelque part, je vais le mettre en vert. Puis si j'insère à élément moins 1, mais je sais qu'il faut que j'insère ici. Là, c'est surtout qu'il faut que j'aille me positionner. Les nœuds qui sont modifiés, c'est celui d'avant puis celui d'après. Si je veux simplifier, c'est pas obligatoire, mais si je veux simplifier la syntaxe, ce que je vais essayer de faire, c'est me placer un nœud avant puis un nœud avant, un nœud après. OK, fait que lui, je vais l'appeler avant, AV. Je vais définir une variable qui va être une référence qui va être ici, puis après ça, je vais définir une autre variable qui va être après. OK? Puis, dans le cas ici, si je suis égal à 1, c'est là que je les veux. Si je suis égal à 2, c'est là que je les veux. OK? Je vais commencer le système à 1, puis après ça, je vais faire plus plus en fonction du nombre d'index. OK? Fait qu'allons-y, on va y aller comme ça. Puis, je vais commencer juste par positionner mes nœuds. Nœuds. Avant égale tête. Après égale tête point suivant.
Si j'ai juste deux éléments en passant, si j'ai juste un élément, je peux juste insérer au début ou à la fin. Fait que c'est déjà géré. Si j'ai juste deux éléments, la seule place que je peux insérer, c'est entre la tête et la queue. Mais vous voyez, j'ai été chercher tête, point suivant, ça me donne la queue. Fait qu'il n'y a aucun impact. Parfait. Puis mon compteur, dans le fond, int compteur égale 1. Là, je fais while compteur plus petit que index. Puisque j'ai validé l'index, j'ai la garantie que mon compteur va trouver une solution. C'est-à-dire que ma boucle va trouver une solution. Ce n'est pas possible que je tombe en dehors de la file si je n'ai pas de bug, parce que je sais que mon index est valide et je sais que mon compteur puis tout fonctionne. Ça m'enlève quand même un certain nombre de soucis de juste savoir que ma boucle va s'arrêter. Je ne sais pas où encore, mais je sais qu'elle va s'arrêter quelque part. Très bien. Fait que là, ce que je fais, fait, je vais me déplacer. Fait que avant égale avant point suivant, puis après égale après point suivant. Encore là, je sais toujours que c'est toujours valide. Le plus loin que je peux aboutir, c'est qu'après va être égal à la queue. Mais si je suis égal à la queue, je sors de la boucle. Fait que l'idée, c'est que je ne vais jamais avoir un null pointer là-dessus. Du moins, c'est ce que je pense, là, avec une analyse rapide. Parfait. Puis là, j'ai comme réussi à me positionner. Je sais que mon avant et mon après sont à la bonne place. Puis là, je vais toujours commencer par attacher mon nœud. Puis là, en passant, là, ça, là, ce que je suis en train de faire, là, d'ajouter, il y a la même chose au niveau d'enlever. C'est le morceau le plus compliqué de tout le chaînage. Tout le morceau de ce chaînage. Fait que si vous maîtrisez ce morceau-là, le chaînage vous est acquis. Okay? Parce que c'est le morceau le plus... c'est-à-dire là, de toute la gestion du RC. Tout le reste, ça se fait, c'est facile. Tu vas juste mettre des trucs en place. Ça se passe. Nouveau point suivant égale après. Puis regardez comment ça va être facile. Nouveau point précédent égale avant. Si on comprend la logique, là, il n'y a aucun challenge dans ces éléments-là. Le nouveau, il est attaché. Puis je retourne à mon dessin. Je peux dire, OK, lui, je l'ai pris. Lui, je l'ai mis là. Lui, je l'ai pris, je l'ai mis là. Fait que qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste à prendre lui puis lui que je vais mettre ici en deux puis en rouge. On a juste ces deux opérations-là à faire, c'est-à-dire avant point suivant égale nouveau, après point précédent égale nouveau. Puis mais c'est pas élégant, mon truc va être attaché. OK? On dit avant point suivant égale. Après, point précédent égale. Évidemment, je vais le tester. Mais sinon, c'est que ça a l'air. C'est de ça que ça a l'air. Ce que je vais faire, c'est que je vais en prendre un principal ici. Je vais faire un autre exercice, un autre exemple plutôt. Exemple 2. Cette fois-ci, je vais utiliser la liste. Remarquez comment est-ce que j'utilise l'integer pour. J'utilise l'integer pour valider, mais dans les faits, je sais que si ça marche pour les integers, qui est plus facile à valider visuellement, je sais qu'après ça, ça va marcher pour tous les objets que je veux essayer. Ajouter, ce que je vais faire, je vais enlever la boucle ici parce que je vais y aller d'une manière plus complète pour ma validation. Je vais ajouter 0 à 0. Je vais juste me donner un peu de temps ici. Je vais revenir là-dessus. Puis ici, je vais faire pas fil, mais liste. List.afficher contenu de liste. Parfait. Je vais ajouter 5 éléments. Puis ce que je fais dans ce temps-là, c'est que je les place dans le désordre avec des index pour essayer de m'organiser pour que, à la fin, tout fit. Puis tout se retrouve en ordre. Et quand je vais afficher le contenu, ce que je m'attends à voir, c'est 0, 1, 2, 3, il manque 4. Tout va tomber en ordre. Fait que le 3, je vais l'ajouter à 0. Le 2, je vais l'ajouter à 0. Fait que vous voyez, je viens de tester l'index où j'ai plus qu'un élément. Le 5, je vais l'ajouter. J'ai deux éléments dans la liste. Fait que je vais l'ajouter à 2. Nombre d'éléments. Il devrait se retrouver à la fin. Là, j'ai 2, 3. Le 4, je vais l'ajouter à 2 à nouveau. Là, j'ai amené là. Le 1, je vais l'ajouter à 0. En fait, non. Le 4, je vais l'ajouter là, mais je vais l'ajouter à 3. Je peux m'être trompé, c'est pas grave. Je ne me stresse pas avec ça.
Je l'exécute. OK, ajouter. Array index out of bound. Parfait, on va valider ça ici. On va juste vérifier à la ligne 33. C'est-à-dire, quand je suis arrivé ici, OK, j'ai ajouté deux éléments. Ah, regardez ce que j'ai oublié de faire. J'ai oublié de compter. J'ai oublié de mettre à jour le nombre d'éléments. Donc, à chaque fois que j'ajoute, je fais le nombre d'éléments plus plus. Parfait. Ça, juste ça va régler le problème. Null pointer exception. Après, point suivant. Vous voyez, je pensais que j'étais correct. OK, c'est à quel moment? Quand j'ai acheté lui ici, il y a eu un petit problème. 3, j'avais 4 éléments dedans. Vous voyez, je vais simuler la situation. Il doit y avoir de quoi? OK. Fait que 1. Fait que là, j'avais 4 éléments. 1, 2, 3. J'ai inséré l'index 3. OK. Quatrièmement, j'insère l'index 3, fait que je devrais insérer 1 avant. On va aller voir. On va aller voir l'erreur que j'ai fait. Je vais faire compteur plus plus, vous voyez. Fait que c'est bon, jusqu'à maintenant, c'est juste des petits problèmes de. Et vous voyez, comment est-ce que l'air de rien, mais ma séquence de test est quand même assez robuste parce que j'étais capable de tomber dans différents moments de code et ça a planté tout de suite. L'erreur des fois quand on fait des tests, qu'on teste juste des cas, un sous-ensemble des cas, fait qu'on n'explore pas le code comme il faut. Là, je sais notamment que la seule place que je n'ai pas explorée, je crois. Non, je pense que j'ai passé partout. Oui, juste pour voir, là, on va voir si. Je trouve que ça vient un peu avec l'expérience de faire des tests qui couvrent tous les edge cases, mais regardez ce qu'on va faire. On va faire check 1, check 2, check 3. Ce que je fais, là, c'est que je veux voir toutes les checks. Pas nécessairement dans l'ordre, mais je veux voir est-ce que j'ai passé par tous les morceaux de code. Puis je l'exécute. Check 1, 2, 3, puis le 4. OK? Fait que j'ai effectivement testé tout mon code. Sans passer, sans faire ça, l'action de LD, est-ce que j'ai couvert tout mon code? On appelle ça du code coverage. L'action de faire du code coverage, mon stage 1 que je disais que j'étais chez CMC Electronics, dans la section des tests, la partie code coverage a été ma responsabilité pendant mon stage. C'était pas la seule chose que j'ai faite, mais à la fin, l'objectif de mon stage, c'était qu'à la fin, s'il y avait un truc sur lequel il fallait que je sois capable de dire oui, c'est fait, code coverage, il fallait que tout le code du FMS soit couvert par des tests. L'idée, c'est pas que j'écrivais les tests et tout, l'idée, c'est qu'il y a un paquet de tests automatiques qui roulaient. Puis à la fin, moi, je regardais quels tests, quelles lignes n'ont pas été couvertes par des tests, puis il fallait que je trouve une manière de les couvrir. Soit j'écrivais un nouveau test, ou soit j'écrivais là, ce qu'on appelait un stub, là, ou pas un stub, là, mais un, j'ai oublié le nom, mais un test module qui allait tester d'une façon logicielle la ligne de code. Puis à la fin, il fallait que j'aille 100% des lignes. Si je n'étais pas capable d'exécuter la ligne de code, il fallait absolument que j'écrive comme un petit document qui disait cette ligne-là ne peut pas être exécutée parce que je justifie là, quand même de manière assez précise pourquoi cette ligne-là n'avait pas été couverte dans la séquence d'exécution. Fait que ça, c'est l'histoire de la liste doublement chaînée. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions par rapport à ajouter à la liste doublement chaînée? Vous voyez, le code est quand même assez long, regardez, il est quand même l'heure de rien, 76. 30, ça veut dire 46 lignes de code. Par contre, il y a une logique qui suit dans tout ça. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Parfait. Donc, s'il n'y a pas de questions, ce code-là, je vais le mettre en ligne ici.
Mais ça va être à vous d'implémenter le enlever au niveau de la liste doublement chaînée. Évidemment, c'est quelque chose que vous devez maîtriser. Il reste une petite notion à faire, à voir avec la liste. Qui est le. C'est pas le mot itérateur, je pensais que je l'avais changé. C'est pas itérateur, mais c'est plus la notion de nœud courant. Ouais, fait qu'écoutez, ce que je pense qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la pause. Il approche, on prend la pause 5 minutes d'avance. En revenant, on couvre ce petit morceau de matière-là. Puis après ça, on arrive dans la suite, là, qui est les collections et le reste de la matière. OK, il y en a quand même beaucoup, là, mais c'est la matière qui se passe vite parce que c'est pas de la matière lourde. Parfait, fait qu'on tombe en pause. Il est 2h55. On revient à 3h10. Parfait, merci. Merci à vous. Donc, de retour. On arrive maintenant à la notion d'itérateur. Pas itérateur. Il faut que je trouve un autre nom parce que je n'ai jamais trouvé de nom. C'est le plus que j'arrive, c'est la notion de nœud courant. Le nœud courant, parce qu'itérateur, pourquoi est-ce que je ne veux pas l'utiliser? C'est parce que ça fait référence. Il y a un truc qui s'appelle véritablement l'itérateur, puis ce n'est pas ce que je m'apprête à vous montrer. Fait que c'est un autre mécanisme, puis, mais qui ressemble. Puis c'est pour ça que j'étais comme au début, quand j'ai écrit les notes de cours au début, je suis comme tombé là-dessus. Mais on m'a fait la remarque à un certain moment que peut-être que ce n'était pas le meilleur mot à utiliser. Parfait. La notion de nœud courant, c'est quoi? C'est d'ajouter un autre nœud ici. La notion de nœud courant, ce que ça cherche, c'est d'aller chercher, c'est d'exploiter un peu la notion de proximité. Souvent, quand on a un travail à faire, c'est comme un principe qui est très présent en informatique. C'est-à-dire que quand on fait un travail dans un endroit, dans un programme, il y a des bonnes chances qu'on fasse du travail juste à côté bientôt. Ou que le travail d'avant était fait juste à côté, tout près. Là. Le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est tout simplement au niveau de l'affichage ici. Vous voyez, la donnée que j'ai affichée à un certain moment, mais la prochaine que je vais afficher, c'est celle qui est juste à côté. Celle que je vais afficher encore, c'est celle qui est encore juste à côté. Est-ce qu'il y a cette notion de localité-là que souvent, on va travailler dans une région du code et ou de la mémoire, puis on va faire un peu de travail dans cette région-là avant de passer dans une autre. Okay, d'ailleurs, c'est les principes de la mémoire cache. La mémoire cache ne se base entièrement sur le principe que si tu accèdes à une donnée en ce moment, il est fort probable que la donnée qui est juste à côté en mémoire, que tu vas en avoir de besoin bientôt. Fait que ce que je fais, c'est que je ramasse des gros morceaux de données à la fois. Au lieu de faire 8 appels ou 10 ou 100 appels à la mémoire RAM, tu fais un appel à la mémoire RAM, on fetch. Fetch est le mot technique, le terme technique ici. On va fetcher les X prochaines données en même temps. Fait que là, tu as tout ça qui est en cache. Fait que ça fait que quand tu accèdes à la cache, ben, tu as déjà fetché les données qui étaient proches. Fait que ça fait que c'est ça qui accélère l'exécution parce qu'il reste que l'accès en mémoire est toujours le. Il y a plusieurs là, manières de perdre son temps en informatique. Là, je parle en termes de performance. C'est sûr que tout ce qui a rapport, c'est toujours une hiérarchie. C'est-à-dire que, par exemple, faire des accès sur le bus système, c'est ce qui prend le plus de temps. Faire des accès, puis ça inclut le disque dur. Après ça, faire des accès en RAM, ça prend plus de temps. Faire des accès en cache, ça prend moins. Excusez. Bus système, c'est ce qui est plus long. Après ça, bon, disque dur, RAM. Cache, c'est toujours de plus en plus rapide, registre. Mais le dé aussi, c'est que c'est de plus en plus coûteux. Tu sais, d'avoir de la mémoire cache de 1 Tera, c'est inimaginable. Tu sais, ben, d'un, physiquement, ce ne serait pas possible. Puis au niveau du coût, ce serait très dispendieux. Fait que le dé, c'est toujours d'optimiser ces éléments-là. Mais les accès à mémoire, c'est ce qui prend. C'est, quand on n'est plus en termes d'optimiser au niveau du réseau, quand on n'est plus en termes d'optimiser au niveau des accès au disque dur, ben, on est toujours en train d'optimiser au niveau de la RAM, au niveau de la cache et tout ça. Bon, en tout cas. Le nœud courant, c'est quoi? Le nœud courant, c'est l'idée d'avoir un autre nœud qui est comme general purpose, c'est-à-dire qu'il peut servir à plusieurs, à peu importe ce qu'on a besoin, on peut avoir un nœud courant pour faire des opérations autour du nœud courant, puis on peut contrôler le nœud courant, puis l'idée, c'est qu'on place le nœud courant dans une région, puis après ça, on peut faire toutes nos opérations référencées au nœud courant. C'est sûr que les exemples qu'on montre ici, c'est des exemples académiques.
Dans le cas où ce que ma fille contient 5 éléments, du style d'un nœud courant est plus ou moins évident. Mais remarquez comment est-ce qu'on a la tête et la queue, mais si j'ai 100 000 éléments dans ma liste, ben, soudainement, tu dis, wow, 100 000, ben, quand tu veux travailler au milieu de ta liste, ça devient un peu tannant de partir de chaque bout à chaque opération pour aller dans le milieu parce que c'est beaucoup de distance à parcourir à chaque opération. Mais là, ce qu'on peut faire, c'est aller positionner le nœud courant dans le milieu, puis à partir de là, ben, on peut travailler. C'est une description juste purement théorique. Ici, je n'ai pas d'exemple pratique à vous donner, là, de dire, ah, voici un exemple où le nœud courant peut vraiment vous aider. Mais ça va être quand même, j'espère qu'à partir du point de vue un peu plus théorique, là, vous allez arriver à avoir un peu les bénéfices. Fait que généralement, ce qu'on a comme opération pour le nœud courant en public, déplacer au début. L'idée ici, c'est comme c'est comme implicite de qu'est-ce qu'on déplace. Vous voyez, déplacer au début, la réponse, qu'est-ce qu'on déplace au début, c'est le nœud courant. Ou en fait, je dirais plutôt à la tête ici pour respecter le vocabulaire. La tête, le nœud courant égale tête. Le nœud courant, il ne modifie pas le... Tu sais, déplacer le nœud courant ne modifie pas la structure de la liste. Ça, c'est important. À la queue. Mais c'est juste une référence supplémentaire. Qu'on peut promener dans le... Oui, fait que si je repars avec ça ici, là, lui était là. Lui était là. Je vais aller plus simple que ça. Delete. Okay. L'histoire du nœud courant, c'est quoi? C'est une référence qui se déplace. On va la marquer différemment un peu. Okay, on va la mettre en bleu. Pas en bleu. En vert. On va lui donner un line weight de 4. Puis l'idée, c'est que ça, c'est mon nœud courant. Puis lui, comme tel, il est indépendant de l'organisation de mon chaînage. Fait que même si le nœud courant se déplace, ça ne change absolument rien à l'organisation de ma liste. L'idée, c'est que si je le place au début, je peux le mettre ici. Puis après ça, je peux le déplacer, je peux le déplacer, je peux le déplacer, je peux le revenir en arrière, faire avancer. L'idée, c'est que le nœud courant, je peux toujours l'amener où je le veux. Et après ça, je définis les opérations à faire autour du nœud courant. Par exemple, si je voulais dire insérer après, ben insérer après le nœud courant, ça veut dire que je voudrais insérer quelque chose ici. Insérer avant, ça veut dire insérer quelque chose ici. Okay. Enlever, ça voudrait dire enlever le nœud courant puis de rabouter les deux bouts ensemble. Puis oui, déplacer la tête, déplacer la queue, fait que ça me permet de déplacer le nœud courant à un endroit que je connais. Après ça, je peux avancer vers suivant. Je vais juste bien clarifier les relations pour qu'on prenne bien reculer. Précédent. Donc là, ça fait courant égale courant point suivant. Ici, je n'ai pas validé à nulle part la validité de courant. Ce qu'on pourrait faire, c'est on pourrait soit faire encore là une gestion d'exception ou on pourrait venir et dire if courant n'égale pas à nul. On pourrait juste utiliser ça partout. Fait que ça fait juste s'assurer que mon nœud courant est juste opéré s'il existe. Évidemment, ça implique que, si ça me permet de positionner, ça implique également que, généralement, le nœud courant, on va le garder, on ne va pas trop, c'est sûr qu'on pourrait faire une gestion très rigoureuse puis dire s'il est égal à la tête puis que la tête est remplacée, le nœud courant se doit se déplacer. L'idée, c'est que le nœud courant est plus associé avec le nœud qu'avec la tête. Okay? Fait qu'on le déplace à la tête, mais si on ajoute une nouvelle tête, ben, le nœud va quand même rester à l'endroit où il était. Par contre, c'est sûr que on n'a pas fait la fonction enlever, mais c'est sûr que quand je vais enlever tous les éléments puis que ma file va être vide, à un certain moment, ce serait bien de remettre le nœud courant à nul. Sinon, c'est sûr que si j'enlève l'élément du nœud courant, je n'ai pas fait enlever, mais normalement, si j'enlève l'élément du nœud courant, ça vaudrait la peine d'enlever, de remettre le nœud courant à nul.
okay, pour éviter de garder une référence sur un élément de la liste, surtout si après ça, je me déplace et tout ça. On n'a pas fait enlever, mais c'est sûr qu'il faudrait probablement le faire. Ce serait une meilleure pratique. Au minimum, l'invalider. Si je ne suis pas certain, ben, si j'ai un cancer, enlever des éléments, il faudrait juste de mettre courant égal à nul puis dire repart tes affaires à zéro. Là, mais, fait que ça, c'est juste donc, regardez bien, ça, c'est juste des fonctions qui permettent de déplacer le nœud courant. C'est qu'à partir de ces fonctions-là, de ces méthodes-là, on peut amener le nœud courant où on veut. J'ai pas validé ici. Si courant n'est pas égal à nul, effectivement, que s'il bascule dans le nul, c'est-à-dire s'il atteint le bout, ben, la fonction va s'arrêter. Fait que ça, c'est bon. La suite, je pourrais ajouter à la limite un retour booléen pour dire si ça fonctionnait ou non. Puis après ça, fait que ça, c'est juste des fonctions de positionnement, mais après ça, il y a des fonctions d'opération. Par exemple, je pourrais dire ajouter après. Puis là, j'aurais un élément qui rentre. On va faire ajouter après, puis on va faire également enlever le nœud courant. Enlever, qui va retourner un V ici. Okay. Donc, si nœud courant n'est pas égal à nul, sinon on fait un return null. Comme ça. Encore là, on pourrait y aller avec une gestion d'exception si on voulait. Ajouter après. OK. Fait que si on fait ajouter après, je vais volontairement laisser des bouts de code libres pour vous les laisser en exercice. Si on veut ajouter après, on va se retrouver avec. On sait que courant n'est pas nul. Courant point suivant. Si courant est à la queue, on peut avoir une situation. Donc, si courant égale queue, il va falloir faire une gestion spéciale. OK. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire courant. OK. On crée un nouveau nœud. Comme on a fait. Ça semble quand même beaucoup ajouté. On n'est pas dans un autre monde. On a un nouveau nœud. On peut faire un nouveau. Fait que si on ajoute après le nœud courant, on va faire nouveau point précédent égale courant. Nouveau point suivant égale courant, point suivant. Parfait, fait que ça, j'ai ça. Ensuite de ça, courant égale queue. OK, puis là, si j'arrive, courant, point suivant égale nouveau. Ça, c'est bon. J'ai-tu un risque d'avoir perdu? Là, je me questionne beaucoup à savoir, j'ai-tu risqué de perdre mes affaires ou si je suis correct? Courant n'a pas changé. Si courant est égal à la queue, ça veut dire que ça va marcher. Ça veut dire que la queue va devenir mon nouveau. OK. J'ai le feeling qu'il me manque de quoi? Courant point précédent, OK. Courant point suivant, OK. Nouveau, je l'ai attaché. Manque-tu quelque chose? C'est comme un feeling qui me manque de quoi, une situation. OK. Je vais aller à la table à dessin, tout simplement. Fait que, oui, fait que là, la situation, c'est courant est à la queue. Parfait. Puis j'ajoute un nouveau nœud. Fait que nouveau point précédent, nouveau point suivant, ça c'est pour la généralisation, là, c'est-à-dire que si j'ajoute ailleurs, fait que ça va marcher. Puis j'ajoute, je déplace la queue, fait que regardons qu'est-ce qui était affecté. OK, fait que ça, 2, 3, 4, tout ça ici était affecté, fait que je vais le mettre en rouge. Puis effectivement, je crois que j'en ai 4. 1, 2, 3, 4 liens, 4 références ont été affectées. Je vais avoir le temps de tout tester ça, mais j'ai l'impression que c'est correct. On pourra l'essayer vite après. On va déplacer la queue puis faire un ajout. Fait qu'ajouter après. Bon, évidemment, là, la liste, là, à partir de là, c'est vraiment là, la seule limite, c'est notre imagination. Là, mais je préfère ajouter avant. Après ça, si je veux enlever. Enlever, c'est intéressant. Je vais couvrir juste un cas, par contre. Ce que je vais faire pour enlever, parce que je vais vous laisser en exercice, ce que je vais faire, c'est. Je vais dire, okay, je vous laisse vous poser la question. Si courant égale à la tête, else if
courant égal à la queue. Ceux-là, je vous les laisse. Sinon, on se retrouve à l'idée que qu'est-ce qui se passe si courant est en plein milieu de la liste? OK, quand je veux éjecter le courant, ce que je vais faire, regardez bien, je vais aller au dessin. Ce que je vais faire, c'est pour simplifier la syntaxe, je vais mettre un avant. Fait que, mettons courant, là. Comme j'ai dit, là, je m'organise pour qu'il soit à quelque part au milieu. Ça peut être n'importe lequel, mais ça va marcher. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une position avant. Une position sur le après. Puis après ça, je vais éjecter le courant puis je vais rabouter. OK. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire nœud avant égale courant point précédent. Comme je dis, la tête et la queue, je les laisse à part. C'est ce qui me permet d'aller plus vite ici parce que sinon, il faudrait que je contrôle est-ce que j'étais à la tête ou à la queue. Puis il y aurait une gestion différente à faire parce que je ne sais pas si l'avant ou l'après existe, entre autres. Courant point suivant. OK. Puis là, ce que je vais faire, dans un, je vais tout de suite régler le code de mon élément que je veux sortir. V élément égale courant.élément. Fait que ça, c'est réglé. Je vais tout de suite le return. C'est bon. Fait que là, j'ai plus besoin de m'occuper de ça. Avant.suivant égale après. Puis après. Point précédent. Précédent égale avant. Comme tel, je crois que c'est bon. Le courant comme tel n'a pas été détaché lui-même. C'est-à-dire qu'on a rabouté les autres, mais le courant lui-même n'a pas été détaché. Mais avec le garbage collector et tout ça, ça va se régler de lui-même parce qu'il n'y a plus personne qui fait référence au courant. Puis quand tu ne fais plus référence... on fait attention. J'ai dit une connerie. Le courant fait encore référence au nœud spécifiquement qu'on vient d'enlever. OK? Fait ce qu'on ferait, c'est qu'il faudrait définir après l'opération, où est-ce qu'aboutit le courant? S'il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, mais personnellement, j'aurais le goût de faire aboutir sur le avant. Ce que je peux faire après ça, c'est dire courant. Courant égale avant. Fait que là, je viens de rétablir l'équilibre. C'est bon. Fait que là, l'ancien nœud courant, il n'y a plus personne qui fait référence. Fait qu'il va être ramassé par le garbage collector. Celui-là, je vais laisser de côté. Ce qu'on va faire, on va quand même prendre le temps d'essayer un peu. Je suis quand même assez confiant, mais sait-on jamais. Fait que si j'ai donc ajouté un certain nombre d'éléments, fait que regardez, je vais prendre une petite séquence ici. Je vais faire list.déplacer à la tête. Après ça, je vais faire list.avancer vers suivant. Là, je me retrouve entre le 1 et le, en fait, je me retrouve à être positionné sur le 2. Ce que je peux faire, liste.ajouter après. Je vais ajouter une valeur arbitraire, 99, fait que le 99 va vraiment détonner. Je fais 4 de valider. Après ça, je vais déplacer à la queue. Je vais reculer. Reculer vers précédent, puis je vais ajouter encore une fois un 98. Donc là, normalement, on devrait voir un moins 98. Comme ça, on va bien voir les valeurs. On va réexécuter ça. Mais oui, 1, 2, j'ai ajouté après le 99. J'étais au 5 et j'ai ajouté après. Excusez, je voulais faire l'ajouter avant. Je n'ai pas fait ajouter avant, j'ai juste fait ajouter après. OK. Bon, pas tout. Parfait, j'ai ajouté 98. Ce que je pourrais faire maintenant, c'est reculer encore, puis je vais faire le enlever list, system out. List.enlever. Faites attention, si j'ai ajouté, si j'ai enlevé, ça pourrait être une surdéfinition ici de l'autre, c'est-à-dire que l'autre, il va dire enlever à l'index,
Ici, c'est enlevé sans index. Fait que je me tire pas dans le pied en faisant ça. Puis là, la valeur qui va popper ici, le 3, ne devrait plus se retrouver ici. Effectivement. 1, 2, 4, 5. Oh, le 99, regardez, 99 est parti aussi. J'ai enlevé le 3. Puis j'ai perdu le 99. Ça ne regarde pas bien. J'ai dû avoir une erreur d'enlever. Élément courant enlevé. On va juste enlever cette ligne-là ici, puis on va juste regarder ce qui s'est passé. Regardez, le 3 était parti. Le 99 est parti également. J'étais au 4, parce que quand j'ai ajouté moins 98, il était ajouté après. Et ça veut dire que mon 1 courant était sur le 3. J'ai perdu mon 99. Allons voir. Le courant, point précédent, avant. Courant, point suivant. Avant, point suivant, égal après. Ce qui est bien comme question, c'est quoi avant? Est-ce que avant est sur le 2 ou sur le 99? Parce que si avant se retrouve sur le 2, je ne comprends pas pourquoi, mais ça expliquerait le problème. Puis là, on se poserait la question, pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Ce que je vais faire, un système out println avant.element. Évidemment, c'est mieux de faire ça après avoir initialisé son avant. OK. Fait que si ce que je vois, c'est le. Juste pour ne pas mêler les affaires, je vais lui en commentaire rapidement. Mais s'il affiche 99, c'est normal. S'il affiche 2, c'est pas normal parce que j'aurais pas dû aboutir ici. OK. Là, ce que je vais faire courant. Je vais afficher courant.élément. Juste confirmer qu'il n'y a pas de. Lui, il est sur le 3. Parfait. Je vais faire courant. OK, le problème est peut-être au moment que j'ai ajouté, en fait. Quand j'ai ajouté 99, j'ai peut-être mal rabouté mes trucs. Ce qui ferait que les liens sont mélangés. Puis parce que les liens sont mélangés, bien, je ne me retrouve pas où est-ce que je pensais que j'allais me retrouver. Il va y avoir aussi nouveau égal nœud, nouveau point précédent. Et ajouté après. Nouveau point précédent égal courant. Nouveau point suivant égale courant point suivant. Courant point suivant égale nouveau. Je pense que c'est celle-là ici. Courant. Non, ça c'est correct. Qu'est-ce qui se passe? Ce qu'on peut faire. On va oublier le dé d'ajouter, d'enlever pour l'instant. On va afficher la liste dans un sens, regardez bien. Et je l'affiche ici. 1, 2, 99, 3, 4, 98, 5. Parfait. Regardez ce que je vais faire maintenant. Je vais partir, je vais afficher. Je vais faire une deuxième, mais afficher à partir de la queue. Reverse, en reverse. Fait qu'on va faire courant égale queue. Attention au conflit de nom en passant. Je peux faire pas courant, courant égale courant point précédent. Si tous mes liens sont corrects, je devrais être capable de voir la liste affichée dans l'ordre inverse. Mais si j'ai des erreurs dans mes liens, regardez. Quand j'ai affiché dans un sens, j'ai vu apparaître 99 et 98. Je me suis rendu à 5. Puis quand j'ai affiché dans l'autre sens, 99 et 98 ne sont pas apparus. Ça veut dire que quand j'ajoute après, je n'ajuste pas mon courant point précédent. Courant point suivant. Et je ne devrais pas avoir à le faire, par contre. Nouveau point précédent. Table à dessin. On ne se casse pas la tête. Ajouter après. Parfait. OK. Fait que si je me mets ici puis je vais ajouter après. J'ai un nouveau nœud qui est inséré. Je m'attends à voir. Lui,
devoir est s'attacher. Courant, point suivant. Puis après, point précédent. Ah, c'est lui. Courant, point suivant. Nouveau, point suivant. Point précédent égale nouveau. Cela devrait vous... courant, point suivant, sinon, courant... Sinon, je peux faire courant. Je vais faire nouveau, sinon si... Mais là, c'est important que je le fasse avant ici. Je passe courant, point suivant, point précédent, égale nouveau. Les deux lignes sont valides. Les deux que j'ai écrites sont valides. Mais ici, celle-là, vu que je change la valeur de courant, point suivant, pour nouveau, mais je ne peux pas faire cette ligne-là après celle-là. OK. Ça devrait régler le problème ici. Yes. Je reviens. Mais oui, il faut quand même être à l'aise avec toute la logique. Vous avez vu quand la table m'a tout de suite fait allumer, parce que dès que j'ai fait la table, j'ai vu que ce lien-là ici, là, que je vais mettre en vert, là, quand je l'ai nommé, j'ai dit « Ah non, après, point précédent, je ne l'ai jamais fait. » J'ai dit « Garde, la remettre en place. » Même moi qui ai d'expérience, j'en fais des erreurs. C'est toujours... ce qui est enlevé, c'est le 3, effectivement. Et puis, si j'affiche la liste, ben, je ne trouve plus le 3 dedans. Il a enlevé le 3. Il a enlevé le 99. Non, 99, il est là. Excusez, pourquoi est-ce que... Ah, il apparaît deux fois parce que je l'ai affiché ici. Excusez. Oui, c'est bon. Fait que le 3 est parti. Puis, c'est bon. J'ai pas parlé de remplacer. On pourrait aussi faire remplacer, c'est-à-dire que tu as un élément qui rentre, tu ne fais pas ta chaîne, mais tu fais juste remplacer l'élément par un autre. Tu pourrais avec un nœud courant ou tu pourrais remplacer l'index. Dans tous les cas, ça fonctionne. Ça fait un peu le tour, pas de farce. Comme je dis, là, à partir de là, l'imagination là, est la limite. Là, c'est-à-dire que on peut penser à n'importe quelle méthode qui, dans fonction du contexte, vous dit « Hey, cette méthode-là, j'en ai besoin, mais vous pouvez l'ajouter. » Là, au moins, vous avez compris les concepts de base, puis à partir de là, ben c'est ça. C'est vraiment là. Comprendre que ce qu'on vous montre, c'est des blocs Lego, puis après ça, c'est à vous de faire les assemblages par rapport au problème que vous avez à résoudre. Est-ce qu'il y a des questions avant qu'on sur le nœud courant, avant qu'on passe à la suite des choses? Parfait. Fait que s'il n'y a pas de commentaires, on passe à la suite. Ce code-là, je vais donc le mettre en ligne. L'idée, c'est que vous pourrez donc justement compléter avec des exercices. Là, je vais juste mettre ici compléter. C'est ici à compléter. L'autre qui serait complété, c'est enlever à l'index. C'est juste pour que ça compile. Qu'est-ce qui se passe, lui, ici? Return type for the method is missing. Ah. Parfait. Je pense que je ne vais pas niaiser, je vais le faire tout de suite. Et comme ça, ça va juste m'assurer. Là, j'avais plus ça en tête. Je n'aurais pas de chance de l'oublier. Un petit instant.
Parfait. Donc, c'est fait. Groupe numéro 3, parfait. Fait que vous avez donc du code à compléter comme exercice. Très bien. Poursuivons. Il y a des éléments qui permettraient aussi juste d'obtenir des éléments, juste par un pic sans nécessairement le retirer. Mais comme je disais, à partir de là, là vraiment, là, beaucoup de possibilités, c'est le mot. Quelques ajouts fréquemment rencontrés, je me trouve drôle ici parce qu'en fait, je n'ai jamais rencontré ça, mais je les ai imaginés, c'est-à-dire qu'on pourrait imaginer avoir des éléments, par exemple, un au milieu, un au quartil. À partir de là, des méthodes de parcours rapide, des méthodes de saut par deux, par quatre, par huit. J'ai comme un feeling, j'ai déjà entendu parler d'un système comme ça, mais dans tous les cas, c'est juste des idées pour optimiser. C'est ça, après ça, on peut vraiment avoir d'autres organisations. Le tampon circulaire, j'ai déjà demandé ça en examen, implémenter un tampon circulaire doublement chaîné. À ce moment-là, il n'y avait plus de tête, il n'y avait plus de queue, juste pour vous dire, là, plus de tête, plus de queue, puis il y avait juste un nœud courant. Il fallait tout construire le tampon circulaire, là, il y a des dessins et tout. Là. Il fallait tout construire la logique autour de juste le nœud courant, puis l'arbre aussi. Le chaînage double ajoute un lien au chaînage simple, permet le parcours d'une liste chaînée dans les deux directions. On déduit que le chaînage peut être utilisé dans une foule d'autres contextes. Est capable d'implémenter pile, fil et liste en chaînage double à partir de zéro et capable d'extrapoler le fonctionnement du chaînage à d'autres problèmes. C'est ce qui est requis pour vous. 5 secondes, si vous avez une question. Sur le chaînage, on passe aux collections. Parfait. Collection. Ben ici, c'est probablement un secret là, que plusieurs ont vu venir. C'est-à-dire que si je pose des questions, selon vous, est-ce que tous les programmeurs implémentent une liste chaînée à chaque fois qu'ils en ont besoin ou que ce soit une implémentation chaînée ou statique? Dans certains cas, oui. Je ne cacherai pas là, que l'implémentation statique, des fois, on a besoin des listes un peu particulières. On va l'avoir. Une liste chaînée, j'en ai déjà vu dans un microcontrôleur en C. C'était pas moi qui l'avais programmé, mais j'étais du code qui était fourni par une compagnie. Puis je regardais voir un peu comment est-ce que j'allais l'utiliser pour mes besoins. Puis j'ai été surpris. J'ai dit, hey, crème, il y a une liste chaînée direct là. Puis j'avais une liste chaînée. Mais sinon, de façon générale, c'est sûr que Java, en plus, c'est un langage évolué. Puis une des forces du Java puis des langages évolués, c'est que en C, c'est simple. Quand tu programmes en C, il faut que tu fasses tout. Tu n'as rien à ta disposition au-delà ou presque que le langage comme point de départ. Dans Java, ce qui est le fun, c'est que tu pars puis tu as déjà plein de fonctions qui sont disponibles. Collection, c'est justement c'est ce qui répond à la question, c'est-à-dire que maintenant qu'on a vu comment ça marche le chaînage, les TDA, donc pile, fil et liste, dans les faits, on n'a pas besoin de l'implémenter quand on en a besoin en Java. On peut juste utiliser une qui est déjà prédéfinie, pré-implémentée. Celle qu'on va voir, le vecteur, je parle du générique, évidemment, j'en parlerai pas, j'en ai parlé tantôt. Mais le vecteur, on reconnaît qu'il utilise le générique. Le vecteur qui est vraiment le plus utilisé, le plus flexible, c'est l'équivalent d'une liste. Priority queue, on voit le mot queue ici. Okay? Ce qui est particulier de priority queue, c'est que ce n'est pas exactement une queue. C'est un peu différent. On va voir ce que ça fait. Puis ensuite de ça, il y a le stack, qui est le stack tel qu'on connaît. Puis il y a la array list, qui est un peu redondant par rapport au vecteur. On va voir un peu, là, j'ai trouvé une différence entre les deux, entre le array list et le vecteur. Mais vous allez voir à quel point c'est subtil comme différence. Vecteur, si on va voir la documentation, puis là, on va pouvoir commencer à mieux comprendre aussi la documentation de Javadoc, puis vous allez voir, c'est intéressant. D'ailleurs, on connaît déjà le générique, on sait à quoi ça sert, parfait. Regardons vecteur ici. Vecteur, c'est quoi? C'est un abstract list, qui est un abstract collection, qui est un objet. Le mot abstract ici, en français, c'est abstrait, puis la matière de tantôt, c'est les classes abstraites. Mais prenez juste note ici que le vecteur contient donc deux classes, hérite de deux classes abstraites. Ensuite de ça, il implémente les interfaces. On voit les interfaces en même temps que les classes abstraites. Serializable, clonable, iterable, collection, list. On reconnaît le mot list ici. Random access. Puis, le vecteur, il y a une sous-classe qui est le stack qu'on va voir tantôt également. Fait que l'idée, c'est qu'on commence à voir que justement, il y a un bénéfice à comprendre l'interaction entre les objets, entre les uns entre les autres. Parce que ça va, vous allez voir, ça va clarifier pourquoi est-ce qu'il y a un certain. Il y en a un, tu vois que les mêmes méthodes reviennent dans tous les objets. Puis tu te dis, mais pourquoi est-ce qu'ils partagent tout? Ben, c'est simple, c'est parce qu'ils ont toutes la même racine au niveau de l'héritage.
C'est l'équivalent de l'entête. Vous voyez, public class vector extends abstract list, implements list, random access, clonable, serializable. Évidemment, on est tous à un clic de savoir précisément qu'est-ce que chacun veut dire. Ça ici, c'est les fields. Okay? On a capacité increment. Ça, c'est des champs qu'on peut changer en fonction des besoins. Ils sont protected. Donc, je peux les changer. S'ils sont protected, c'est-à-dire je peux les changer à condition de faire une classe dérivée. C'est-à-dire, si je fais mon propre vecteur, ben, j'y ai accès, je peux les changer. Après ça, j'ai mes constructeurs ici. J'ai un constructeur qui permet de construire un vecteur à partir avec constructeur par défaut. J'ai le constructeur qui permet de partir d'une collection. Tout ce qui rentre dans la collection, je peux le mettre dans un vecteur puis ça marche. Après ça, je peux changer le initial capacity. Ça, c'est la taille du vecteur initial. Puis après ça, je peux changer la capacité initiale, mais également la taille d'incrément quand on a besoin d'augmenter la taille du vecteur. Je vais avoir une petite discussion sur cette notion-là spécifiquement. Sinon, si on regarde les méthodes, il y en a un certain nombre. On les lit rapidement, je vais dire lesquelles qui valent la peine de maîtriser, puis par rapport à ça. Add E, OK? Ajouter un élément, ajoute l'élément à la fin du vecteur. Ajoute à l'index l'élément, ça on l'a déjà implémenté, on sait ce que ça fait. Ajoute tout, ça si tu lui donnes une collection, il va ajouter tous les éléments de la collection dans ton vecteur. C'est la même chose, mais ici, c'est quoi la différence entre, il va ajouter tout, mais à la position spécifiée, fait que tu peux l'ajouter spécifiquement à tel endroit. Ajoute un élément, ajoute à la fin, increasing its size by one. Faites attention ici, il y a une raison pour... Pourquoi est-ce que add element puis add? Ben, croyez-le ou non, c'est une redondance de deux fonctions qui font exactement. C'est pas vrai, regardez, lui, il retourne un void, puis lui, il retourne un booléen. Lui, il va te retourner savoir si ça a fonctionné, puis lui, il dit rien. Fait qu'il y a une petite redondance au niveau de ces deux méthodes-là. C'est surtout parce qu'ils viennent de deux interfaces slash classes de base différentes. On va voir. Fait que ça arrive. Quand on commence à faire des classes qui héritent l'implémentation des interfaces, ça se peut qu'il y ait des fonctions qui sont dédoublées. Que c'est le nom est différent, la signature est différente, mais la fonctionnalité est sensiblement la même. Capacité? Pardon? Oui, petite question. Oui. Juste sur le add, entre le add et le add element, pourquoi le add element spécifie, pourquoi le add, désolé, spécifie pas qu'il increase la size du vecteur? C'est un peu bizarre. Ben, tu sais, c'est ça, il reste que la description est là, tu sais, souvent, il faut aller plus loin, tu sais, il faut commencer à aller diguer un peu. Add to the split of the increasing its size by one, the capacity is increased of its size become greater than its capacity. Increase if. Parce qu'on dit size, en fait, là, le dire, c'est plutôt qu'ici, il devrait l'écrire aussi. Parce que dans les deux cas, s'il ajoute, il va. Mais là, c'est parce que ça, c'est. Tu sais, la vraie réponse, je vais te dire, c'est que dans les deux cas, ici aussi, il increase the size by one. Pourquoi est-ce qu'ici, il est marqué, puis ici, il n'est pas marqué, je vais te dire, c'est parce que c'est deux personnes différentes qui ont fait de la documentation. OK, c'est bon. C'est plus simple que ça. Puis la personne ici a jugé, quand elle a fait la documentation, elle a dit, ah, je vais ajouter cette mention-là, puis ici. Mais par contre, tu as quand même le point, parce que, tu sais, dans le fond, pourquoi est-ce que lui, il append, puis lui, il add, tu sais. Mais tu as quand même un bon point que... quand même prendre la peine, dans certains cas, là, de mon point de vue, puis encore là, je garderai un petit doute, je ferai juste quelques tests pour valider si j'ai besoin d'un ou l'autre. C'est sûr que quand il y a une petite différence, des fois, il faut creuser juste pour s'assurer que la différence ne va pas affecter le résultat, parce que je vais vous montrer tantôt la différence entre vecteur et ArrayList, puis vous allez voir, c'est quasiment la même chose, mais il y a une petite différence, vous allez voir à quel point, des fois, que il y a de la redondance dans la programmation. Pensez pas que tous les programmes sont toujours écrits comme tout marche, puis tout fait du sens de A à Z. Des fois, il y a soit des petites incohérences, des fois, de la redondance, c'est-à-dire que tu as deux méthodes ici qui font sensiblement la même chose. Des fois, il y a des... Tu sais, le code, là, c'est... Je ne sais pas combien de personnes ont travaillé sur le code source de Java, là, mais vous pouvez imaginer là, qu'il y a facilement, là, 1000, c'est pas 10 000 personnes qui ont travaillé là-dessus. Fait que c'est sûr qu'à un certain moment, il y a des petits trucs qui, il y en a un, tu sais, la main gauche ne parlait pas nécessairement la main droite exactement à ce moment-là. Puis non seulement, il y a peut-être 10 000 personnes, mais sur 10 ans, là, sur 20 ans, peut-être qu'il y a des gens qui ont juste ajouté des fonctionnalités. Il y en a qui en ont enlevé, mais souvent pour ne pas avoir pour ne pas briser le backward compatibility, c'est-à-dire que ton code qui marche une journée, même si tu fais une mise à jour, il va encore marcher. Ça, c'est le backward compatibility. Donc, si j'écris un code avec une version 1.8, ben, si j'ai la version 1.20, il devrait encore fonctionner. C'est un des objectifs de Java. Je ne peux pas enlever de méthode. Je ne peux jamais enlever de méthode. Je peux juste en ajouter par-dessus. OK? Fait qu'à un certain moment, tu viens qu'à retrouver un peu ces trucs. Mais bon.
Fait que pour répondre à ta question, mais c'est sûr que des fois, il faut lire les petits caractères. Je ne te cacherai pas que des fois, il faut lire les petits caractères parce qu'un petit commentaire qui a l'air anodin, des fois, peut avoir des conséquences au niveau de ton code. Parce que 16 ici, il faut faire attention, 16, c'est pas la même chose que capacité. Capacité, c'est la taille de mon tableau qui est en dessous. Ça, c'est une implémentation statique. Okay? Il y a un tableau en dessous. En fait, j'ai un doute que c'est un mix statique-dynamique, mais je suis pas certain. J'ai jamais vraiment creusé pour être honnête. Capacité, c'est la taille du tableau, puis 16, c'est le nombre d'éléments dans le vecteur. OK? 16, c'est l'équivalent de notre nombre d'éléments. OK. Clear. Enlève tout. Clone, on la connaît. On va retourner un clone du vecteur. Mais attention, un clone du vecteur ne clonera pas les éléments qui sont dans le vecteur. Important de prendre en considération. Contains, retourne vrai si le vecteur contient. Fait que ici, tu peux tester ce qui contient cet élément-là. Puis ça, c'est une comparaison par référence et non pas par valeur. OK, ici, tu peux lui donner un set. Là, c'est sûr que ça vient des fonctions. Tu vois qu'il y a une utilité, mais normalement, je ne les ai jamais utilisées. Mais contains all, c'est une question booléenne qui dit si je lui donne une collection, est-ce que tous les éléments de la collection sont contenus dans le vecteur? Copy into. OK, ici, j'ai un tableau d'array, puis il va être inséré dans le vecteur. Ici, je peux obtenir l'élément à l'index. Ça, c'est pour faire des énumérations. Quand on fait la book for, qu'on dit pour, for, je vous montrerai après, là, mais quand on parle d'itérateur, là, c'est ça qui se passe. C'est un enumerate, là, où est-ce qu'on fait une book for, où est-ce qu'il n'y a pas d'index. J'ai pas besoin de faire le i. Je vais vous le montrer tout de suite. Non, c'est vrai, j'ai un exemple tantôt. Je crois. Ensure capacity, c'est-à-dire avant d'ajouter un certain nombre d'éléments, je peux vérifier s'il va avoir assez de place dans le vecteur avant de les ajouter. Remarquez que le vecteur va quand même automatiquement augmenter sa quantité d'espace. Equals, bon, évidemment, le vecteur hérite d'objets, fait qu'il va implémenter equals to string puis un certain nombre de méthodes comme ça. First element, retourne le premier élément à l'index 0. Get, obtient l'élément à l'index donné, sans l'enlever par contre. Hashcode, ça vient de object. Index of object, ici, va retourner l'index de la première occurrence de l'élément dans le vecteur. S'il n'est pas présent, il va retourner moins 1. Vous voyez, il y a vraiment beaucoup d'outils qui viennent avec le vecteur. Là. Je vais aller plus vite un peu, mais il y a index of, insert element A, fait que ça, c'est inséré à l'élément A. Qui est à peu près la même chose que add en passant. Is empty permet de poser la question s'il est vide. Itérateur, si on met ça de côté. Last element permet d'obtenir l'élément de la queue. Last index, ici, c'est comme trouver l'élément, la même chose que index of, mais au lieu de commencer au début, il va commencer à la fin. Ça, on va laisser ça tomber. Remove, fait que ça, je peux enlever à l'index, puis il va te retourner l'élément à ce moment-là. Je peux te dire « remove tel élément spécifiquement », fait que je peux trouver l'élément puis l'enlever. Enlever tous les éléments qui sont contenus dans la collection. Enlever tous les éléments qui, à fin pratique, est la même chose que « clear ». « Remove element » qui, à fin pratique, « remove the first lowest index », qui est la même chose que « remove » ici. « Remove range », ici, d'un index à l'autre, je peux tout enlever. « Retain all », ici, ça va enlever tout ce qui n'est pas représenté dans la collection. Ça, c'est des fonctions en passant à retain all. C'est quoi l'autre que j'ai vu? Remove all. Ça, c'est des fonctions logiques. C'est l'équivalent de faire des joints ou des. Ça, tu prends toutes les. Quand tu as deux sets de données, garder tous les éléments qui sont communs aux deux ou tous les éléments qui sont différents des deux. Fait que c'est ça, des liens logiques qui sont très utilisés dans la théorie des ensembles. 7, 7, c'est l'équivalent de remplacer. C'est intéressant à savoir. 7, c'est que tu vas aller à l'index, tu vas remplacer l'élément qui est là, puis fort probablement qu'il va retourner l'élément qui était là avant que tu le changes. 7 element at, même chose. Set size, set the size of this vector. Ici, j'avoue, je n'ai jamais utilisé set size. Regardez. Set size, j'ai le doute que set size va changer la capacité, mais size va retourner le nombre d'éléments dans le vecteur. Fait qu'ici, là, il y a vraiment une confusion au niveau du vocabulaire. Si j'avais à utiliser set size, là, je prendrais le temps de lire comme pour la documentation pour être sûr qu'elle fait bien ce que je pense. The new size is greater than the equal current size. New null items are added at the end of the vector. Ah, vous voyez, ça fait bien ça. Ça ajoute des éléments dans le vecteur, mais ça ajoute des éléments nuls. Fait que. Puis si c'est plus petit, faites attention, tu peux perdre les éléments vont être rejetés. Fait que l'idée, ça va agrandir le vecteur, mais ça va le remplacer avec ça met des éléments nuls dedans. Fait que maintenant, je vais faire get à tel index, ben, tu vas recevoir un nul, mais tu vas quand même avoir un index qui est valide. En tout cas, c'est important là, de savoir. Des fois, c'est utilisé pour faire de la préallocation ou des trucs comme ça.
Sublist, bon, tu peux obtenir une liste des aimants qui vont de là à là. Transformer en array, ça te transforme en array d'objets. ToString, trim to size, ça va réduire la taille du vecteur. Fait que, oui, il y a quand même un certain nombre d'outils qui sont disponibles. Ici, là, c'est vraiment la JavaDoc qui fait le travail. C'est-à-dire que personne ne peut apprendre tout ça par cœur. Tu peux en apprendre quelques-unes, les plus usuelles, add, remove, des trucs comme ça. Mais à un certain moment, l'idée, c'est surtout de savoir que vecteur, ça se comporte comme une liste. Puis que si j'ai besoin d'une liste, je vais utiliser un vecteur. Puis si j'ai besoin de faire des opérations un peu fancy, bien, je vais aller voir dans le vecteur, puis je vais magasiner, voir quelle méthode je pourrais faire. Puis même plus loin que ça, c'est que je vais magasiner dans toutes les collections disponibles, laquelle qui semble être la plus disposée à faire le travail que j'ai besoin. Et ça, c'est le vecteur. Bon, j'ai parlé du generic. On va aller voir ensemble l'exemple du vecteur qui est fourni dans les notes de cours d'aujourd'hui. Vas-y, il est là, c'est parce que ça va être à cause de Zoom. OK, je vous ai donc montré une série d'exemples sur les collections. Exemple vecteur, vous voyez. Je crée un vecteur, je donne une capacité initiale de 10. Après ça, j'ajoute un certain nombre d'éléments. Je regarde, il est-tu vide? Non, il n'est pas vide. Contenu du vecteur, j'affiche tous les éléments en faisant des remove. Fait que vous voyez, c'est les mêmes tests que je faisais avec les listes, ou avec les piles, fils, tout ça. Deuxième exemple, j'ajoute, je parcours sans enlever, c'est-à-dire que je vais ajouter un certain nombre d'éléments. Et voici ici, j'utilise ce que je disais, la book 4 avec l'itérateur, c'est-à-dire que je crée un itérateur number qui va parcourir le vecteur. Fait que ça, c'est vraiment une forme très compacte de la book 4 qui est le fun quand tu veux parcourir tous les éléments d'une liste. Ou d'un élément qui est itérable, tu n'as plus besoin d'avoir de traîner ton index et tout ça. Puis tu peux juste dire, donne-moi juste les éléments du vecteur un après l'autre, puis je vais les parcourir et les afficher. Une version très compacte de la book 4. Et le vecteur, c'est vraiment l'équivalent de la liste comme telle. Là. Il n'y a vraiment pas à chercher plus loin que ça. Mais l'avantage, c'est que c'est super simple à utiliser, surtout pas besoin de l'implémenter. Puis en arrière, là, sous le capot, il y a une description ici. Là, on va regarder ça ici, on va lire un petit peu tantôt. Ah oui, c'est vrai, je pense qu'il y a deux différences entre le vecteur puis. Oui, le vecteur est synchronized. If a thread set implementation is not needed, it is recommended to use ArrayList in place of vector. Je trouve ça un peu bizarre comme commentaire, là, c'est de dire si tu n'as pas besoin d'une thread safe, c'est multitâche. C'est que si tu fais du code qui s'exécute sur plusieurs processeurs, plusieurs cœurs en même temps. Le vecteur est garanti, tu ne vas jamais perdre de données parce qu'il est thread safe. Quand ça peut paraître surprenant, là, mais des fois, là, si, mettons, j'ai du code qui s'exécute sur deux processeurs en même temps, puis que les deux ajoutent dans le même vecteur en même temps, ce qui peut arriver, il y a un risque qu'il y a un des deux éléments qui soit perdu. OK? Puis tu sais, je pourrais faire une démonstration. Sur 100 insertions, si tu t'organises pour qu'il y ait beaucoup de collisions, ça va arriver. Là, tu vas en perdre 3, 4, certains. Hein. Mais sinon, ils disent que si tu n'as pas besoin d'une implémentation thread safe, tu es mieux d'utiliser ArrayList. Mais à un certain moment, tu dis, écoute. Genre, si tu as un monocore, quoi? Si tu as un. Non, mais si tu n'as pas de multitâche dans ton programme. Ah, OK. Mais j'ai comme l'impression que tu te. J'ai comme l'impression que tu te crées une situation qui va te backfire. C'est-à-dire que, tu sais, si ton code n'est pas multitâche, OK, je comprends, ArrayList, mais pourquoi recommander d'utiliser ArrayList? Tu ne peux pas juste comme dire d'un coup, tu sais. Mais bon, il y a peut-être un petit avantage à ArrayList versus vecteur, parce que sinon, j'allais vous dire, regarde, prends pas de chance, prends vecteur, ça va toujours fonctionner. Mais regarde, tout de suite, je vais parler d'ArrayList, regardez bien. Fait comme ça, on va rester dans le même sujet, ArrayList, que je présente un petit peu plus loin. Mais ArrayList, dans les faits, c'est exactement la même chose, sauf qu'il y a une petite différence. On va aller regarder bien comment est-ce que ça va. C'est quoi de magasiner quand tu veux optimiser, c'est vraiment lire la doc au complet. For resizable array implementation of the list interface, optional list. D'un, si on regarde les bêtas, regardez, add all. Ah oui, celle-là, il y en a deux définitions. Dans le cas du vecteur, il y en avait. Non, il y a les deux aussi. Le nombre de méthodes, je vous dis, là, regardez. Simplement parce que object collection abstract list vecteur. Object collection abstract list array list. L'idée, c'est que les deux implémentent, puis les deux implémentent normalement à peu près les mêmes interfaces, tu vois. Ouais, les deux implémentent. Fait que, tu sais, l'idée, c'est qu'ils sont quasiment la même chose. Et quand on lit, là,
D'un, il y a l'histoire du thread safe, puis l'autre. Each ArrayList instance has a capacity. The capacity is the size of the array used to store elements in the list. OK, c'est toujours aussi grand que le nombre d'éléments. Quand il y a des éléments qui sont ajoutés, la capacité grandit automatiquement. Ah, regardez, puis les détails de la croissance, de la politique de croissance ne sont pas spécifiés. Au-delà du fait qu'ajouter un élément a un temps d'ajout amorti au fil du temps, c'est-à-dire que l'idée, c'est que si tu fais un grand nombre d'ajouts et tu calcules le moyen, tu vas converger vers une certaine valeur. Mais il ne spécifie pas, je pensais que c'était spécifié. Il ne spécifie pas, là, c'est-à-dire qu'ajouter un élément se fait en n time. OK. Le vecteur, lui, regarde bien ce que ça veut dire. Lui, il spécifie. Il dit ici, la capacité est toujours la même chose. Puis, vous voyez, lui, le vecteur, il a grandi en size chunk, en chunk size. Fait que tu as un contrôle, puis d'ailleurs, tu peux même le spécifier. C'est-à-dire que tu peux dire de quelle taille agrandir le vecteur à chaque fois qu'il a grandi. Donc, la ArrayList, il n'y a pas de spécification. Puis, tu ne peux même pas le spécifier. Fait que, vous voyez, c'est la petite différence. Et aussi, l'histoire du thread safe. C'est les deux mini différences que j'ai vues entre les deux. Sinon, là, c'est pratiquement là, blanc, bonnet, blanc. Là, peut-être que si on regarde, là, regardez-lui, il y a un split iterator. Et lui, il n'y en a pas. Fait que si tu as besoin d'un split iterator, ça prend la ArrayList. Ah, ArrayList, il y a un sort, vecteur. Vecteur n'a pas de sort. Ah, ça, c'est intéressant, ça, ici. Ah, c'est bon à savoir, ça. Ah, fait que vous voyez, fait qu'ArrayList est donc un petit peu plus... Et pas thread safe, mais elle a un petit quelque chose ici avec le sort là, qui me fait personnellement pencher dans cette direction-là. Ah, ça, c'est intéressant, ça aussi. Consumer for each consumer. Ça, tu peux envoyer une méthode puis dire exécute. Je veux que tous les éléments de la liste exécutent cette méthode-là, cette opération-là. Il faudrait voir l'interface consumer exactement, là, mais normalement, c'est quelque chose d'assez flexible. C'est ce qu'on appelle souvent un lambda operation. Ça peut être intéressant. Oui, il y a quelques différences, mais c'est très, très esthétique. Mais oui, il y a plus de différences aujourd'hui que je n'avais jamais remarqué avant. Mais sinon, ArrayList vecteur, ils ont quand même un certain nombre de similarités. Priority queue. Priority queue, faites attention. La première fois que j'ai utilisé, j'ai été surpris. Priority queue, ce qu'il va faire, c'est que si tu fais ce priority queue, si tu fais cet exemple-là, ça paraît. Si c'est pas la pile, là, mais on va l'aller chercher, celle-là. On va aller chercher l'exemple ici, on va l'exécuter. Priority queue, il va ordonner tes éléments en ordre. Il va toujours garder la queue, dans le fond, la queue de message en ordre par rapport à l'ordre des éléments parce qu'il utilise un élément comparable. Tous les éléments que tu peux rentrer dans la priority queue doivent être comparables. S'ils sont comparables, ça veut dire qu'il implémente la fonction compareTo. On a déjà vu à un moment en cours. Puis, la priority queue va toujours les mettre en ordre. L'idée, c'est que c'est comme une queue de message, mais pour laquelle les éléments peuvent dépasser les autres de manière à ce que tu sors toujours pas les éléments qui sont là depuis plus longtemps, mais plutôt ceux qui sont prioritaires vont sortir en premier. Fait que c'est quand même quelque chose d'intéressant là, dans différentes situations où ce que tu voudrais. Est-ce que tu pourrais vouloir. Toi ici, exemple, je vais nommer ça ici. Si on roule, on va rouler l'exemple de la queue. Là, j'ai peut-être pas le. Regarde, par ça. Sur l'exemple de la queue, normalement, je devrais voir les éléments sortir dans un certain ordre. Vous voyez, 0.34, 0.38, vous voyez, ils sont tous en ordre croissant. Pourtant, quand je les ai ajoutés, j'ai fait next double. Fait que l'idée, c'est qu'ils sont sortis, ils sont rentrés, ils étaient dans un ordre aléatoire, mais quand ils sont sortis, ils sont tous sortis en ordre. Fait qu'il y a comme un sort implicite qui vient dans la priority queue. Fait que ça, c'est intéressant. Après ça, stack. Ben, stack, c'est notre pile. Pile classique, telle qu'on l'a vu en classe. On va voir le stack. On a vu tantôt que le stack, ce qui est intéressant du stack, c'est que ça dérive de vecteur. Vous voyez? Classe dérivée de vecteur. Par contre,
elle a caché l'interface vecteur. C'est-à-dire que là où vecteur offrait plein de méthodes d'ajout puis tout ça, la stack a réduit, il a surdéfini, il a défini son propre set, pop, push, peak, empty. Il a défini un certain nombre, mais il y en a... excusez, ils sont encore là. Tu peux quand même utiliser toutes les autres méthodes héritées de vecteurs, mais il a ajouté spécifiquement l'interface qui permet de l'utiliser comme une pile. Puis, vous voyez, puis c'est un exemple que je faisais avant. Avant, là, ce que je faisais, au lieu de montrer la pile, la file, puis la liste, ce que je faisais, c'est je montrais la pile. J'ajoutais des fonctions pour supporter l'interface de la file. Puis après ça, j'ajoutais des fonctions pour supporter la liste. Je finissais avec juste un fichier qui faisait pile, file, puis liste. Mais j'ai comme décidé de le briser pour mieux enseigner, là, comme pour mieux vous aider les étudiants à segmenter l'information. Mais vous voyez, c'est ça qui est fait ici. C'est-à-dire que même si je définis un stack, je peux quand même l'utiliser comme un vecteur parce qu'il hérite des méthodes. Mais évidemment, à ce moment-là, tu contreviens un peu au comportement attendu. Mais tu as quand même l'option. Oui, juste remarquer que dans, si tu regardes le stack, il y a le test empty et ouais. Dans le vecteur, on a is empty. Exact. Mais pourquoi tu ajouterais empty dans le stack s'il découle de vecteur? Toi, j'ai exactement la même réponse que tantôt. OK, c'est bon, parfait. Ça se répète, puis c'est pas grave. OK. C'est sûr que pour les étudiants, au début, ça peut avoir l'air comme, il me semble que c'est sous-optimal. T'sais, pourquoi est-ce que, tu sais, ta question a fait 100% du sens, là, je veux dire. Puis moi-même, le premier coup, je dis, ben, pourquoi est-ce qu'ils ont deux fois la même méthode qui fait deux fois la même chose? L'idée, c'est même pas à ce niveau-là. L'idée, là, des fois, ça peut être une question. Tu vois, elle a été ajoutée à JDK 1.0. Vecteur a été ajouté JDK 1.0 également. Fait que ça peut avoir d'avoir rapport. Mais l'idée, c'est que des programmeurs qui programment dans un surtout l'orienté objet, parce que ça donne plus. Mais j'attends avec toi, les programmeurs ne parlent pas et ne pensent pas en termes d'économie de code. Quand tu fais un programme où tu as des choses à faire et des trucs comme ça, tu ne penses pas en termes d'économie, tu vas plutôt penser en termes de il faut que tout le monde, comme en termes de buffet. Quand tu fais des API, des librairies qui sont general purpose, tu ne cherches pas à avoir le minimum ensemble de fonctions possibles, tu veux juste avoir toutes les fonctions disponibles, même si ça donne que tu en as deux ou trois de la même qui font la même chose. Tu veux juste que tout le monde ait son matériel pour travailler. Puis c'est un peu la philosophie. L'idée, là, écoute. Maintenant, pourquoi est-ce que... Tu sais, puis honnêtement, je ne travaille pas... Regarde, empty stack exception. If this stack is empty. Puis tu vois, des fois, ces niaiseaux ont peut-être même trouvé une réponse à ta question. L'autre, c'était is empty. Ouais, il est juste à côté de la souris. À côté de ouais, insert element that. Attends un peu, excuse. Va un peu à droite. Un petit peu à droite. Ouais, voilà. Return true. False. Override is empty. Tu vois, lui, il y a déjà l'override qui prend place. Tu vois, elle ne retourne pas d'exception. Puis l'autre, elle retourne une exception. Puis elle retourne une exception qui est associée avec le stack. C'est fou, hein? Fait que tu vois, il y a quelqu'un qui s'est dit, hey, j'ai le choix. Puis, okay. Puis pas probablement que empty, c'est une surcharge. Probablement que is empty, empty utilise is empty en dessous. Hein. Ce serait fou de réimplémenter la même chose, mais elle ajoute une gestion d'exception. OK, ça fait du sens. Ouais. Merci. J'ai-tu bien vu ou j'ai mal vu? Hein? Ça veut. Empty. Excuse-moi, je me suis complètement mêlé, j'ai regardé ici. C'est pas ça pour en tout. Non, empty, il y a empty. Et tu vois, mais ça aurait quand même pu être une explication. True if. If and only the stack contains no items, false otherwise. Puis is empty, c'est quoi? Is empty. Test if this vector has no components. Non, ça, ça n'a pas d'importance. Ouais. Écoute, excuse-moi, je me suis égaré dans mon explication. Mais tu vois, visiblement, je n'ai pas d'explication à dire. Mais comme je te dis, c'est. C'est vraiment plus là, c'est de même la programmation. OK, parfait, merci. Excellent point. Très bonne observation. Les collections implémentent les TDA. TDA, ça veut dire type. Comme j'ai oublié. Type défini. Type de données abstrait. Ouais.
C'est l'équivalent de collection dans le monde qu'on est, que nous avons appris au cours des trois derniers cours. Évidemment, dans une situation professionnelle, vous devez utiliser les collections avant d'implémenter votre propre TDA, surtout en Java. Chaque collection a ses particularités. Il y en a plusieurs autres que celles que nous avons vues. D'ailleurs, si je voulais les voir, une façon de voir toutes les collections disponibles, ce que je pourrais faire, c'est que je pourrais aller cliquer sur Abstract Collection et aller voir Direct Non Subclass. Fait que si j'ai Abstract List, Queue, Set, Array DQ, Concurrent Linked, Link, c'est-à-dire Chainé, DQ. Et après ça, sinon, j'ai-tu une liste complète à quelque part? Non. Fait que là, il faudrait que j'y aille. Sinon, ici, vous voyez Member of the Java Collection Framework. OK. Overview. Ah, tu vois que ça me donne une idée un peu de tout ce que je peux trouver ici. Collection Interface. La réalité, c'est que c'est juste au fil du temps qu'on vient qu'il y a vraiment, là, dès que c'est Link, en passant, ça veut dire chaîné. Link Transfer Queue, Link Blocking Queue. Ouais. Puis, tu sais, la réalité, là, c'est que, tu sais, c'est quand on a le problème qu'on trouve la solution. Fait que, tu sais, là, c'est qu'il y a un paquet de collections, puis c'est au fil du temps, un jour, vous arrivez, vous dites, hey, la collection que j'utilise d'habitude ne fait pas, mais j'ai un feeling qu'il y en a une autre qui ferait. Puis tu cherches, puis tu dis, ah, crème, je ne la trouve pas, ben, je vais créer une classe dérivée d'un objet de Java pour implémenter la propre fonctionnalité que j'ai besoin, puis mettre en place, là. C'est ça, les collections, ce que je trouve qui est quand même le fun, c'est que c'est un bel exemple de conception qui utilise l'interface et l'héritage. Parce qu'on voit qu'il y a plein de classes dérivées, plein d'interfaces. L'intérêt, puis c'est ce qu'on s'apprête à discuter de toute façon. Collection. Excusez, qu'est-ce qui se passe? Checklist. Ah oui, ce que vous devez comprendre. Sur demande et avec documentation, vous devez pouvoir utiliser une des collections vues en classe et même une que l'on n'a pas vue à condition qu'elle ne soit pas trop compliquée. Ça, je fais, des fois, je dis, utilisez ta collection en examen, bla la doc, j'imprime la doc, je la donne, je dis, go, utilise-la. Évidemment, tu sais, je ne vais pas comme chercher celle-là qui est vraiment bizarre, là, puis qui fait des trucs vraiment funky. Là. À la limite, même Priority Queue, je la trouve un peu bizarre parce qu'il faut vraiment que tu lises. Là, la première fois que je l'ai utilisée, je ne comprenais pas ce qui se passait. Vous devez pouvoir sélectionner la collection la plus appropriée pour résoudre un problème donné. Évidemment, considérant celle que vous voyez, vous avez stack, vecteur, ArrayList, je ne sais pas si c'est compliqué que ça, là, mais on ne demande pas, là, je sais pas les questions là, à 20 points, là, les questions sur les collections, mais vous devez quand même avoir une bonne conscience de c'est quoi les collections. Classe abstraite et interface. C'est fun de terminer là-dessus, c'est une notion que j'aime beaucoup. Quand j'ai appris c'est quoi une classe abstraite, j'ai dit waouh, c'est normal, même chose avec une interface. Il existe un concept de design qui est le design par API. Okay? Ce n'est pas nécessairement limité à ça, mais c'est une façon de penser. Quand on fait de la conception par API, ça arrive, là, les classes abstraites et les interfaces prennent énormément de signification quand vient le temps de concevoir un projet au début, avant l'implémentation. C'est-à-dire que quand tu fais la planification du projet, les premiers éléments que tu vas planifier, tu sais, t'es capable, là. Quand tu es quelqu'un qui fait de l'architecture, c'est-à-dire que, tu sais, en termes de programmeur, dans la hiérarchie des programmeurs, tu as ceux qui font du code, qui reçoivent des requis qui font le code. Ça, c'est eux qui sont en bas. Après ça, tu as ceux qui reçoivent des requis puis qui font du code plus compliqué. C'est niaiseux, tu as comme au moins deux ou trois stades en termes de complexité de code. Et à un certain moment, quand tu arrives dans les étages supérieurs, tu as ceux qui font de la conception. Quand quelqu'un a beaucoup d'expérience en programmation, évidemment que c'est niaiseux, là. Mais là, programmer, c'est le fun quand t'es jeune, mais viens, hein, ça vient un peu tannant. Moi, j'aime encore ça, mais il y en a qui tu dis, écoute, moi, je suis tanné de programmer. Pas de faire, c'est, ils vont te dire, dis, moi, je suis tanné de programmer. Et là, l'étape qui vient au-dessus, c'est être architecte logiciel. Puis là, ce que tu fais, c'est que t'as tellement d'expérience en programmation, puis moi, c'est un super bon programmeur. Des fois, il y en a même qui sont moins bons programmeurs, mais ils ont une spécialité en architecture logicielle. Puis le travail, plutôt que de le passer à taper puis à faire du code, ils vont le passer à concevoir le logiciel. Puis là, ce qui sort de ça, c'est des architectures de logiciel puis des planifications. D'un, il y a toute la gestion d'équipe, gestion de projet qui inclut également des budgets puis tout ça. Mais là, on parle vraiment d'architecte logiciel. C'est lui qui va dire, OK, on a besoin d'un logiciel qui fait ça. Puis c'est lui qui va prendre le temps de dire, ça va être quoi les composants du logiciel? Ça va être quoi les classes? Tu sais, puis il va tout imaginer comment est-ce que le programme va être fait. Parce que tu peux imaginer une grande partie du programme sans avoir à rentrer dans le code puis à écrire du code. Tu sais, juste la philosophie de comment est-ce que le programme va fonctionner. Puis à un certain moment, tu te dis, OK, on veut faire un API, c'est-à-dire que le code, il n'existe pas encore, mais on veut que ce morceau de code-là soit compatible avec celui-là aussi. Parce que ce que tu vas faire, c'est que tu vas dire, voici les méthodes qui vont exister de chaque côté des morceaux de code. Puis là, le code, il n'existe pas encore, mais tu vas déjà définir comment est-ce que les deux vont interagir ensemble.
Puis, ce que tu as besoin après ça, c'est t'assurer que les deux côtés respectent ce qui a été mis d'accord. Puis, à ce moment-là, ce que tu vas avoir, c'est justement, c'est l'interface va servir ça beaucoup. Puis, après, sinon, des classes abstraites aussi. Bon, c'est quoi l'interface classe abstraite? La classe abstraite, elle joue deux rôles. De un, elle permet de spécifier des éléments. Puis, de deux, elle permet aussi d'empêcher une opération particulière. Je reprends l'exemple du zoo qu'on avait il y a quelques cours, ou le dernier cours, je ne m'en rappelle même plus. Hein. On avait un zoo qui contenait un tableau d'animal. L'animal lui-même, il y avait une classe d'hervé qui était oiseau, il y avait une classe d'hervé qui était singe, puis singe lui-même, une classe d'hervé qui était ouistiti. Fait qu'animal était comme la classe de base, puis tu avais les autres. Je pose la question. Dans la nature, je ne demanderais pas qui a vu un ouistiti, là, mais on est d'accord, là, tout le monde a vu des animaux là, à gauche, à droite, différents types d'animaux, tu sais, des marmottes, des trucs comme ça. Puis on est tous dans un certain langage, parce que tu sais, si tu dis ah, j'ai vu un animal, la personne va te poser des questions. Tu as vu un animal? Ah oui, c'est quelle sorte d'animal? Parce que je suis un petit peu curieux, parce que l'animal, c'est un peu flou. Mais est-ce que quelqu'un a déjà vu un animal dans la nature qui n'était pas rien d'autre qu'un animal? Ben non. Il y a toujours oui, d'autres ça, définitions. L'idée. Comment? Il y a toujours d'autres définitions. C'est ça, il y a toujours quelque chose de plus précis qu'un animal. Là. Dire, peut-être que cette journée-là, c'est un blanc de mémoire, ou peut-être que tu es vraiment surpris, tu disais, hey, je ne sais pas c'est quoi cet animal-là, mais tu sais qu'il y a quelque chose, tu sais qu'il y a un autre nom, que ce n'est pas juste un animal blanc. Là, tu sais, je veux dire, c'est, ça a quelque chose de plus que d'être juste un animal. OK? Fait que dans un programme, on l'a vu, créer un tableau d'animal, ça fait du sens. Mais est-ce que ça ferait du sens, si mon programme est supposé représenter de manière ou d'une autre la réalité, d'instancier un animal? Non, ce serait beaucoup non. Plus utile d'instancier un ouistiti, mettons. Ben c'est ça, tu sais, l'idée, c'est que, OK, là, c'est sûr qu'il y a une certaine, ah oui, mais dans telle situation, peut-être que tu devrais, OK, mais mettons qu'on se fait juste regarder un peu comme un sens de réalité. Animal est une classe. Cette classe-là a 100% la raison d'être dans le programme parce qu'on voit que c'est une classe de base qui rassemble un paquet de fonctionnalités. Puis il y a beaucoup d'éléments qui se basent sur l'animal. Puis l'animal, même de notre point de vue, on avait vu que l'animal définissait certaines méthodes qui étaient héritées puis qui étaient utilisées. Mais animal elle-même, faire un new animal dans le contexte d'un zoo, ça fait pas de sens. OK? Fait qu'une classe abstraite permet un élément qu'elle permet, c'est ça. C'est-à-dire qu'elle permet de, si je déclare qu'une classe est abstract, OK, par exemple, si ma classe, j'écris public abstract class, bien, une des choses que ça fait, c'est que ça empêche la création d'instances de cette classe-là. C'est que tu ne pourras pas créer d'instance de ma classe apps ici. OK? Tu ne pourras pas faire new ça. Dans le cas ici, tu ne pourrais pas faire de new animal, ce serait rendu interdit. Animal continue d'exister. Tu peux continuer à faire des tableaux d'animal parce qu'un tableau d'animal, c'est juste du polymorphisme, c'est pas une instance de classe. Mais tu ne peux pas créer une. Quand tu déclares une classe comme étant abstraite, tu ne peux plus l'instancier. C'est intéressant parce que ça permet de justement dire que cette classe-là n'est pas instanciable. Elle existe, elle peut être utilisée dans l'architecture, mais elle n'est pas utilisable comme telle. Il faut absolument que tu fasses que tu la dérives pour pouvoir l'utiliser. Puis cette liberté-là offre une autre possibilité, c'est qu'elle permet également de faire des méthodes abstraites. Puis une méthode abstraite, c'est quoi? C'est que je peux fournir des méthodes puis lui dire, cette méthode-là, je n'ai pas de définition à te donner. Et si tu veux faire une classe dérivée, tu es obligé de fournir une définition. OK? Fait que regardez ici, public, abstract, void, foo, 1. Puis regardez, il n'y a pas de body ici. Il n'y a pas de corps. Il n'y a pas de définition à la méthode. Puis ça, c'est légal. Quand tu crées une classe abstraite, tu peux laisser des fonctions qui disent, cette fonction-là doit exister, mais je la définis pas immédiatement. Mais ma classe dérivée va être obligée de l'implémenter. Mais c'est quand même fort quand on pense en termes d'architecture parce que tu peux rapidement comme créer un paquet de points de référence pour tout le monde dans ton code en faisant des classes abstraites puis dire, bon, regarde, check, tous tes objets vont dériver, doivent dériver de cette classe-là. Puis le simple fait de dire qu'ils doivent dériver de cette classe-là te donne beaucoup de liberté par rapport à qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent au niveau des noms de méthodes, au niveau des signatures, puis tout ça. Puis tu peux même mettre des champs aussi. Tu peux dire, ta classe, elle a tel champ, elle a telle fonction, celle-là est définie, celle-là n'est pas définie. Puis c'est comme une sorte de contrat un peu. Si ta classe décide d'hériter de la classe abstraite, bien, elle prend sur elle le contrat d'implémenter toutes les méthodes qui sont abstraites. Sauf si elle-même est abstraite, parce qu'on l'a vu ici. Un vecteur, par exemple, abstract collection, abstract list, l'idée, c'est que abstract list,
Il y a fort probablement des méthodes qui sont pas implémentées dans AbstractList, puis elle a peut-être même hérité de méthodes abstraites qui venaient de collection, puis qu'elle-même n'a pas été en mesure de compléter. Fait que là, c'est vecteur, mais vecteur n'est pas abstrait. N'est pas abstract. Toutes les classes abstraites, en passant, commencent par abstract. Là, je m'excuse, mon exemple, il ne respecte pas, là, mais non, toutes les, pour que ce soit clair, là, toutes les classes abstraites s'appellent abstract quelque chose. C'est ça, c'est un mécanisme qui est quand même assez intéressant à ce niveau-là. L'idée ici, j'avais. Ah oui, c'est ça. Fait que j'ai effectivement un exemple. On va aller voir. Classe abstraite. Fait que si j'ai donc justement ma classe animale. Là, je ne l'ai pas appelé, là, je m'en veux un peu, il faut que je repense à ça, mais non, elle devrait s'appeler Abstract Animal. Puis oui, elle a un sexe, elle a un habitat, elle a un constructeur, puis elle fait du bruit. Mais c'est quoi avec le bruit que ça fait un animal? Je ne sais pas. Je sais que les animaux, dans mon monde à moi, j'ai décidé que les animaux faisaient du bruit. Mais ici, je ne sais pas c'est quoi le bruit que fait cet animal-là. Par contre, les classes qui, chien et chat, qui héritent d'animal, eux vont aller définir quel bruit ils font. Fait bruit, miaou, miaou. Puis elle, chat, ne peut pas exister si elle n'a pas fourni une définition de fait du bruit. Puis pour le reste, sinon, une classe abstraite, c'est vraiment la même chose qu'une classe normale. Mais c'est comme je dis, elle peut avoir des méthodes incomplètes, puis elle ne peut pas être instanciée. Ce qu'on a ici, classe abstraite, le mot-clé abstract est associé avec cette fonctionnalité. Dès qu'il y a une méthode abstract, la classe doit elle aussi être abstract. Classe abstraite ne peut pas être instanciée. La seule manière d'utiliser est de définir une classe qui en hérite et qui définit toutes ses méthodes abstraites. Si la classe ne définit pas toutes les méthodes, elle doit elle-même être abstract. On peut enchaîner des classes abstraites là, en termes d'héritage là, sans problème, mais à la fin, on doit avoir une véritable classe si on veut utiliser les fonctionnalités. À l'inverse de la classe abstraite, on peut définir une classe finale qui ne peut pas être héritée. Ça aussi, c'est intéressant. Je n'ai jamais vraiment utilisé. Mais une classe finale, donc, public final class implique que c'est une classe dont tu n'as pas le droit d'hériter puis de faire d'utiliser dans l'héritage. Fait que c'est une classe abstraite. Des questions? Je sais que c'est vite un peu, mais c'est un concept qui est super simple. Très bien. Maintenant, j'avais parlé qu'il y avait quelque chose au niveau de l'héritage, c'est-à-dire que j'en ai parlé pour dire, ah oui, mais héritage par composition, que depuis, en fait, j'ai fait un peu de recherche, puis je pense que, quand on me l'a dit, on parlait d'héritage par composition, mais je vais le faire avec vous, j'ai comme vu à quelques endroits qui faisaient plutôt référence à juste dire de l'héritage et de la composition. Je vais juste vous dire, là, je pense que je n'ai pas contre-vérifié avec les gens du département, mais j'ai comme vu ça dans la doc à quelque part cette semaine. Sinon, il y a une limite à l'héritage dans le langage Java. Je précise dans le langage Java parce que c'est quelque chose qui dépend du langage. Il y a des langages qui le permettent, d'autres qui ne le permettent pas. Le langage Java limite le nombre de classes dont une classe peut hériter à une. C'est-à-dire qu'une classe ne peut hériter que d'une seule autre classe. Je parle avec un degré 1. C'est-à-dire que je peux hériter en chaîne comme ça. Par exemple, vecteur hérite de abstract list et abstract collection, mais si elle hérite d'abstract collection, c'est de façon indirecte parce qu'elle hérite d'abstract list. Puis cette chaîne-là ne peut pas commencer à avoir un arbre avec plusieurs branches et tout ça. Là. C'est ça mon point. C'est bon. Je ne sais pas exactement. Là, je ne suis pas assez le théoriste de l'orienté objet pour être capable de vous dire c'est pour ça qu'ils ont fait ce choix-là. Mais ils ont quand même saisi que dans certains cas, tu veux justement, ben, du moins, même si tu ne peux pas le faire, tu veux être capable de faire certains éléments qui ressemblent à ça. La raison pourquoi est-ce qu'ils peuvent se permettre dans le langage Java de n'hériter que d'une seule classe, c'est parce qu'il y a quand même un mécanisme complémentaire à l'héritage qui est le mécanisme d'interface. Alors que l'héritage se fait avec le mot-clé « extends », les interfaces se font avec le mot-clé « implements ». OK? L'avantage des interfaces versus les classes, c'est que tu peux hériter, là, mais en fait, on va dire implémenter. Tu peux implémenter plusieurs interfaces. Il n'y a pas véritablement de limite. Tu vas voir le vecteur, regardez. Il implémente toutes ces interfaces-là. Random access, list, collection, iterable, clonable, serializable. Aucune limite au nombre d'interfaces que tu peux hériter. Par contre, les interfaces sont plus limitées que les classes. Les interfaces peuvent imposer la définition des méthodes de la même manière qu'on a vu avec la classe abstraite. Par contre, l'interface, ça, c'est quoi? J'ai comme un feeling que le dernier coup, j'ai testé ça. Can Java interface
define method. Like static method. OK, on va l'appeler public interface card extend. Ça, c'est une interface qui hérite ce symbole-là. J'avoue là, que je n'ai jamais fait ça. Mais vous voyez, vous pouvez définir, c'est possible de définir des méthodes. Fait que tu peux fournir une définition, mais l'interface ne peut pas, peut fournir des définitions, mais elle ne peut pas, je regarde là, pour être sûr de ne pas dire une connerie, là. Public interface, deck. Ça, c'est des méthodes. Non, une interface ne peut pas avoir, ne peut pas avoir de variable membre. Puis avant de dire avant d'aller plus loin, je vais interface variables. Java interfaces. Loose coupling, OK. Must not be static, final, native, or strict FPP. Oui, il y a certaines limites. Oh! OK, toutes les variables déclarées dans l'interface sont implicitement publiques, statiques et finales. OK, fait que dans le fond, c'est des constantes. C'est pas des constantes, mais des variables comme telles. All methods declared inside interface are implicitly public and abstract, even if you don't use public or abstract keywords. Interface can extend one or more other interface. Interface can implement a class. Can't be nested inside another interface. Ouais. Fait que, oui, il y a un certain nombre de différences. De façon générale, c'est ça. Une interface, c'est ça. Ça peut définir des constantes, ça peut définir déclarer des méthodes. Généralement, l'interface ne va pas implémenter des méthodes, du moins, chaque fois que j'en ai vu, il n'en implémentait pas, mais vous voyez, c'est possible, vous voyez ici. Greet, message, ouais. C'est un peu ça l'histoire. Vous voyez, il y a quand même une différence entre les deux. L'avantage de l'interface, c'est surtout qu'on peut en implémenter une classe peut en implémenter plusieurs. Sans problème. C'est ça. Par contre, il y a certaines limitations. Là. Faites attention, je pense que je vais réviser ça un peu. Là. Ce cours-là, je ne l'ai pas fait cette année. Je pense que je vais le faire l'année prochaine pour mettre à jour là, par rapport à tout ce que j'ai appris par rapport au langage, là, par rapport à ça. C'est ça. Puis, l'idée dans tout ça, c'est qu'on peut construire des programmes à partir d'interfaces, à partir de classes abstraites. Puis, l'idée, c'est qu'on peut vraiment construire une architecture de système sans écrire aucune ligne de code. Puis après ça, tous les programmeurs, ils embarquent là-dedans puis sont comme contraints dans le code qu'ils peuvent faire. Fait que c'est comme une manière de designer au niveau de l'architecture sans avoir à faire le travail de fond de faire le code. Puis après ça, tu peux envoyer ça vers quelqu'un d'autre puis dire ben ça. Puis ça permet beaucoup là, d'établir la compatibilité entre différents morceaux de code pour que quand les trucs sont implémentés, ben après ça, quand tu essaies de les plugger ensemble, ben ça marche parce que tu dis lui, il va recevoir telle interface. Fait que par conséquent, fais ton code comme si l'interface était implémentée, puis quand tu le fais, ben, quand tu reçois un objet, ça marche. Fait que c'est un peu tous ces éléments-là là, qui entrent en ligne de compte pour ce qui est des classes abstraites et des interfaces. Est-ce qu'il y a des questions? On ne pousse pas très loin ça ici en passant. Là. Oui, vas-y, Emile. Ouais, pour l'interface, est-ce qu'il peut remonter aussi dans la chaîne? Tu sais, des fois, quand on faisait un héritage, on pouvait remonter autant qu'on voulait. Est-ce que l'interface peut remonter aussi? Non, parce que l'interface n'a pas la même relation. Tu n'as pas la notion de super avec l'interface. Tu n'as pas de constructeur dans une interface. OK. Puis tu n'as pas de, comme on a vu, là, à part des finals statiques, donc des constantes, tu n'as pas cette notion-là d'avoir comme un mix de deux classes. Tu as juste une classe. Puis quand tu implémentes l'interface, tu reçois un paquet de fonctions vides. Puis tu sais, en réalité, il n'y a rien à faire dans l'interface de toute façon. Fait que c'est un peu. Fait que non, ça ne s'applique pas. Oui. Comme je te dis, c'est parce que là, tu sais, vous avez juste une connaissance là, superficielle de ces concepts-là, mais c'est pas tant la notion, c'est pas tant que tu peux pas, c'est surtout que par rapport au rôle de l'interface, ça sert à rien. Il n'y a rien à aller chercher dans l'interface parce que c'est comme très vide une interface. Contrairement à une classe ou une classe abstraite qui généralement est un petit peu plus construite. Oui, merci. Oui, pas tout.
Interface, ça dit vraiment ce que c'est. Tu sais, le mot interface, quand tu le comprends bien en allemand de la programmation, c'est vraiment ce que ça dit, c'est une série de méthodes publiques. C'est l'interface d'un objet. C'est que tu peux dire, mon objet, il a besoin d'implémenter telle interface. Il y a une raison, généralement, au niveau du programme, pourquoi est-ce que tu veux qu'il implémente l'interface, mais c'est simplement de dire, je veux qu'il soit compatible avec tel autre module. Généralement, c'est comme ça que tu veux l'utiliser. C'est soit toi, tu dis, OK, toutes les classes qui veulent fonctionner avec moi doivent implémenter telle interface. Puis sinon, si moi, je veux fonctionner avec tel objet, il faut que j'implémente telle interface. Puis tu vois, un bon exemple, c'est, regarde bien comment c'est utilisé. D'un, il y a Terrible, qui est un excellent exemple. List. Mais c'est pas celui-là. Celui que je voulais montrer, c'est Comparable. Interface. Comparable. Regarde bien, c'est super simple, cette interface-là. Ce qu'elle t'a dit, bon, il y a plein de blabla ici, mais tu vois, elle a des sous-interfaces, mais elle n'a pas de super-interface. Mais regarde, tout ce qu'elle dit, là, cette interface-là, elle dit juste que si tu veux être un élément qui est comparable, j'ai oublié de dire l'interface peut faire du polymorphisme. Mais elle dit, si tu veux être un élément qui est comparable, il faut que tu implémentes la méthode compareTo. Puis quand tu implémentes compareTo, donc, ça, c'est toutes les méthodes qui l'implémentent. Mais après ça, il y a plein de trucs. Par exemple, si tu veux utiliser une priority queue, regarde bien. Priority queue. OK. Puis priority queue, si tu veux être capable de fonctionner ici, à quelque part, là, il me semble que ça dit comparateur. OK, tu peux fournir un comparateur. OK. Comparateur, c'est pas exactement la même chose. Comparateur, c'est quoi ça? C'est une interface qui compare. OK, fait que c'est quasiment la même histoire, mais ce que ça veut dire, c'est que si tu veux utiliser un priority queue avec un objet qui n'est pas naturellement comparable, il faut que tu fournisses un comparateur. Puis le comparateur, c'est une méthode qui va implémenter, c'est une classe qui va implémenter ces méthodes-là pour dire que tu es capable, parce que la priority queue, elle permet justement d'avoir des éléments qui passent en avant des autres. Mais pour savoir lequel qui passe en avant de qui, il faut que tu les compares. Il faut que tu dises, lui, il passe avant lui. Pourquoi? Parce qu'il est plus prioritaire, mettons. Mais qu'est-ce qui fait que tu es prioritaire? Si tu as des entiers, c'est simple. Okay, tu peux dire, OK, c'est en ordre chronologique. En ordre de grandeur, des trucs comme ça. Mais si c'est un objet un peu fancy, il faut utiliser lequel qui est prioritaire, par exemple des courriels. Bien là, tu peux définir un comparateur avec des règles toi-même, puis tu dis, regarde, ça, c'est les règles par lesquelles je veux que ceux-là passent en priorité. Si toi, tu définis ton comparateur, bien, tu peux prendre ton objet custom, puis l'envoyer dans un. Puis utiliser la priority queue. Fait que c'est un peu l'histoire ici. Je sais que c'était un peu, là, je ne cachais pas là, que c'est des trucs logiciels, puis dans le cadre du cours, il y a 911, vous êtes quand même juste à absorber la base de la pyramide. Là. C'est sûr que c'est des trucs un peu haut niveau. L'idée, c'est qu'on ne pousse pas la connaissance à un niveau extrême ici, mais c'est surtout qu'on vous plante les graines pour qu'au fil de votre carrière, vous ayez de plus en plus capable de maîtriser ces concepts-là. Fait qu'en gros, les classes assets et interfaces sont des outils très importants pour la conception orientée objet. Ils permettent de spécifier les services d'une classe pour garantir sa compatibilité, permet aussi de fournir des définitions incomplètes de classes à compléter. La classe abstraite permet la déclaration de champ et la définition de méthode. L'interface ne permet pas la déclaration de champ ni la définition de méthode, mais une classe peut implémenter plusieurs interfaces. Attention à la différence entre définition de méthode et déclaration de méthode. Déclaration, c'est juste dire une signature. Définition, c'est le corps de la méthode. Voici une liste des notions que vous devez maîtriser. Être capable de comprendre l'architecture logicielle utilisant des classes abstraites et des interfaces. Être capable d'utiliser sur demande ces concepts. Bien comprendre la différence entre une interface et une classe abstraite. Encore là, l'idée, c'est qu'on ne pousse pas la connaissance là, au niveau 10, là, juste au niveau 1. Tu sais. J'ai terminé. À moins que vous ayez des questions. Là. Bon, mais sur ce, je souhaite une belle fin de journée. On se revoit vendredi. Si je ne me trompe pas, c'est votre journée de remise du devoir. Donc, assurez-vous de donner un bon coup.
Je peux vous dire, au niveau du devoir, attendez pas la dernière heure pour poser des questions, parce que souvent j'atteins un niveau de saturation au niveau des questions, dans le sens où tout le monde pose des questions dans la dernière heure. Fait que si vous voulez pas faire partie de cette gang-là, puis courir le risque de pas avoir votre réponse, ben organisez-vous pour avancer plus, puis gardez juste la finale là, ou pour d'avoir des questions prêtes dès le début du cours. Généralement, c'est le moment le plus calme. La remise est vendredi à midi. Y a autre chose par rapport à ça? Après ça, semaine prochaine, c'est vrai, j'ai regardé l'horaire. Semaine prochaine, il n'y a pas de mardi à cause qu'il y a une permutation d'horaire. Par contre, on se revoit vendredi, puis j'ai envoyé des instructions par courriel parce que dès que le devoir 1 va être remis, surprise, surprise, vous allez avoir le devoir 2 qui va être disponible. La réalité, c'est surtout que je veux le rendre disponible le plus tôt possible, juste pour vous donner le plus de temps possible. Parce que sinon, je pourrais juste la remettre au TP ou au cours qui suit, mais vous auriez perdu. Tu sais, je vais vous donner la chance d'avoir le plus de jours disponibles pour travailler dessus, au moins pour en prendre connaissance. Puis le devoir 2 va embarquer tout de suite après le devoir 1. Puis c'est ça. Mais je vais le présenter au prochain TP. Là, je pense que le prochain cours, c'est un TP. Là, fait que, c'est l'histoire. J'ai terminé. Le devoir, est-ce qu'on remet juste le fichier dans lequel on a travaillé? Non, prenez tout le fichier, tout le dossier source, puis zippez-moi ça, puis renvoyez-moi-le. Pas de Parce que ça me problème. permet d'avoir de la correction, ça me permet juste de drag and drop, tu sais, unzip, copy-paste, puis ça marche tout de suite, là, alors que tu sais, c'est plus simple Ça marche. d'opérer sur cette méthode-là. Ouais. Oui, OK. Merci. Bonne journée. Hey, merci à toi aussi, Tommy. Merci beaucoup, bonne soirée. Merci, Emile.